Voix Nue. Cette semaine, Céline Lauzen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, du plomb dans l'âme. Bernard Stiegler, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. On est ici au beau milieu de la campagne, quelque part dans le département du Cher. Vous avez une très belle maison aménagée dans un grand moulin. On est ici dans le salon et littéralement entouré par la nature et le silence. Alors Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez fondé le groupe de réflexion Ars Industrialis. Vous dirigez l'Institut de recherche et d'innovation au sein du Centre Georges Pompidou. Vous êtes un peu un intellectuel autonome qui s'est construit hors des murs académiques. Votre esprit s'est façonné via le Parti communiste, puis dans une période ascétique en prison. Puis vous allez réellement devenir philosophe avec comme concept central celui de la technique. Dans votre corpus, vous étudiez les sociétés sous le prisme de l'évolution technique, la pierre taillée, les machines, l'automatisation, le web, le numérique. Et selon vous, la technologie est à la fois un treuil et un piège. Elle peut être curative ou bien toxique. En tout cas, elle façonne l'humain dans sa praxis et dans son être. Votre thèse, bien connue, pose que l'humanité est en disruption, c'est-à-dire dans une phase où elle a outrepassé un stade d'aliénation consumériste. Au fil des décennies, vous avez construit un formalisme sémantique très codifié, voire sibyllin pour exprimer vos théories, parfois jugées trop idéologiques. Pourtant, c'est bien avec clarté et logique que vous disséquez les ressorts de la décadence humaine à l'ère de l'anthropocène. Vous exposez comment le consumérisme numérique et technologique a dégénéré la société en érodant ce qu'elle a de plus précieux, la capacité à éprouver du désir, désir de connaissance, de création, d'amour au sens large. Et parmi les discours sur la déchéance, le vôtre sonne comme un appel à une thérapie collective, contributive, où l'on devrait comprendre qu'il faut dompter nos pulsions, transformer nos énergies en investissement, afin de refonder un modèle de société libéré de l'entropie, qui est un principe physique qui amène fatalement au chaos. Bernard Stiegler, vous qui critiquez le consumérisme par la télécratie, les médias analogiques puis numériques, vous mentionnez pourtant que c'est par la télévision que vous avez forgé votre culture première dès l'enfance. Est-ce qu'il faut y voir un paradoxe ou pas du tout ? Si, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui est caractéristique, constitutif de l'humanité. Si par exemple les êtres humains ont souvent, presque toujours, des religions, seule la société contemporaine n'est pas basée sur la religion. Toutes les autres sociétés étaient basées sur la religion, plus ou moins. C'est parce que il faut faire avec ce paradoxe. Voilà. L'homme est toujours en train de s'auto-menacer, et pour surmonter cette situation, eh bien, il y a des, moi j'appelle ça des thérapeutiques, qui se développent. Autrefois, le chamanisme, la magie, ensuite des formes diverses liées aux croyances religieuses, mais aussi aux mythologies qui sont pas toujours des religieux. Pour moi, par exemple, les mythologies grecques, ce sont pas des religions à proprement parler. Je parle de la Grèce ancienne, et aux formes de monothéisme ou de croyances religieuses comme on trouve en Extrême-Orient, qui sont pas exactement le monothéisme, mais qui, même si Bouddha, comme dit Jean-Luc Nancy, par exemple, peut être considéré comme une figure de monothéisme. Alors, aujourd'hui, la télévision, comme vous l'avez dit, effectivement, elle m'a éduqué en partie, comme une partie de ma génération. Beaucoup, beaucoup des gens de mon âge ont découvert le cinéma grâce à la télévision. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de salle de cinéma, mais par contre, j'avais une culture de cinéma classique assez formidable, je crois. Après coup, je me dis qu'elle était assez formidable parce que j'ai enseigné jusqu'à l'année dernière à l'université, mes étudiants, j'avais donné un cours sur le cinéma, ne connaissaient à peu près rien du cinéma classique. Ce qui est très ennuyeux quand même, quand on veut parler du cinéma contemporain, on ne connaît pas du tout le cinéma classique, c'est un peu problématique. La télévision, donc, m'a donné ça. Et d'ailleurs, je dois vous dire, parce que
Il y a quelques années, Frédéric Mitterrand était ministre de la Culture et quelqu'un de son cabinet qui avait travaillé avec moi un rapport de l'UNESCO lui a suggéré de m'inviter au Festival d'Avignon pour une rencontre à laquelle il participait et où il m'a demandé de faire une conférence avant sa propre intervention d'ailleurs. C'était assez étrange comme dispositif, très inhabituel. Et comme il était ministre de la Culture et que moi-même j'ai eu un grand intérêt pour l'audiovisuel public, y compris pour France Culture, je lui ai projeté un film de Pierre Dumayet, c'est pas un film, c'est une émission de télévision qui s'appelait Lecture pour tous, qui datait de 1958 je crois, dans lequel Georges Bataille présentait la littérature et le mal, à une heure de grande écoute. Et je lui ai dit, voyez, monsieur le ministre, on peut faire des choses très bien avec la télévision. Voilà. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ah, ça a été totalement laminé aujourd'hui. Enfin, il existe encore des choses bien. Arte fait des choses bien. Et d'autres chaînes, y compris la BBC, en Allemagne aussi. Mais c'est très, 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 très difficile aujourd'hui de faire des choses bien. Vous avez mentionné mon passage au sein du Parti communiste français. Moi, j'étais fasciné au sein de ce parti à l'époque par l'importance qu'il accordait à la culture et au savoir. Et s'il y a eu, par exemple, entre 1947, c'est la création de la télévision française, et disons 1970, la possibilité de découvrir le cinéma mais aussi le théâtre, j'ai aussi découvert le théâtre à la télévision. J'ai découvert Eschyle, les Perses, j'ai découvert Don Juan de Molière, etc. Et puis beaucoup d'autres choses. Vous avez découvert tout ça, mais avec un guide, vos parents, votre mère. Oui, bien sûr, mais il y avait une politique. Et il y avait un compromis, bien connu d'ailleurs, souvent dénoncé aujourd'hui, entre les gaullistes et les communistes. Mais ce compromis était incarné par Malraux d'ailleurs, ancien communiste, qui était ministre du général de Gaulle. Et voilà, la télévision était faite pour que, disons, tout le monde puisse accéder à la culture. C'était d'abord ça le but. Alors évidemment, on a dit, et c'était vrai aussi, en 68 en particulier, que c'était aussi l'instrument du général de Gaulle pour dominer la France, et c'est tout à fait évident. Éduquer les masses. Éduquer les masses, mais aussi les contenir, enfin les diriger, parfois de manière assez autoritaire. On sait bien, tout le monde, non, aujourd'hui on ne sait plus du tout ça, mais à l'époque, Léon Zitrone, par exemple, qui était un journaliste bien connu, voilà, il s'était mis en grève en 68, quand De Gaulle a appris ça, il a piqué une colère, et Zitrone en a pleuré, voilà. Il y avait des relations entre le pouvoir, les journalistes et la télévision très compliquées, mais tout est toujours très compliqué dans les affaires humaines, de toute façon, quelle que soit l'affaire en question. Même la cuisine, c'est très compliqué. Alors, on va revenir à vous. Vous êtes né en 1952 dans l'Essonne, à Villebon-sur-Yvette. C'est d'ailleurs un endroit qui est situé sur la nouvelle tech française, entre Polytechnique, l'Université Paris-Sud. Mais vous n'allez pas y rester longtemps, vous allez grandir à Sarcelles. Mm-hmm. Comment vous décririez ces années d'enfance? Ce sont des années de rêve. Bon, c'est souvent le cas de l'enfance en général, parce que peut-être qu'en plus on a tendance toujours un peu à embellir. Après coup, mais ce sont des années de grande paix. Pour moi, ce sont des années de rêve. J'ai un jardin, j'ai un petit coin où je peux faire du jardin. C'est en pleine campagne. C'est un lieu aussi de la radio, d'ailleurs, parce que c'est l'émetteur de Villebon-sur-Yvette. À cette époque-là, c'était un des émetteurs de la radio nationale. D'ailleurs, votre père était ingénieur. Il était d'abord électricien. Il a commencé comme électricien. Il travaillait sur les groupes électrogènes à cette époque-là de cet émetteur. Après, il a fait des études internes. Il n'a jamais passé le diplôme d'ingénieur. Il est devenu ce qu'on appelle technicien supérieur et finalement ingénieur maison, mais sans avoir passé un diplôme d'ingénieur. Oui, ce sont des années, de grande paix, en fait, où tout va bien, plus ou moins. C'est pas la richesse, parce que précisément mon père n'était qu'un ouvrier à ce moment-là et ne gagnait pas beaucoup d'argent, ma mère ne travaillait pas, nous étions une famille nombreuse. Vous aviez quatre frères, il me semble. Oui, quatre frères, oui. Ouais. Et nous sommes restés là jusqu'en 1958.
Voilà, nous avons quitté ce lieu à l'automne 58, au moment où une transformation politique importante s'est opérée, où justement le général de Gaulle est apparu. Juste avant que je ne quitte, que nous ne quittions d'ailleurs cet endroit, c'était la guerre d'Algérie à cette époque-là, et il y avait des menaces, je ne sais pas si elles venaient de l'OS ou du FLN, mais en tout cas, d'un seul coup, cet émetteur a été envahi de soldats. Ça a été pour moi une énorme surprise de voir des gens en treillis avec des mitraillettes et tout ça. Parce qu'il y avait, alors là, d'un seul coup, je découvrais qu'il y avait un monde en dehors des vaches et des pommiers, voilà, qui avait l'air plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Voilà. Votre mère était femme au foyer, mais elle a quand même travaillé. En fait, ma mère, elle était sténodactylo, elle avait une formation de sténodactylo, elle a effectivement passé de nombreuses années à élever ses enfants, et elle a repris un travail lorsque je devais avoir 12 ans à peu près, 10-12 ans. À l'école, ça se passe plutôt bien, vous êtes un bon élève, voire un très bon élève, et puis au lycée, ça se corse, on est en mai 68, l'année 68 est compliquée. Ça s'est corsé avant, en fait. J'étais un bon élève parce que ma mère s'occupait énormément de ses enfants. Je suis arrivé à l'école le cours préparatoire. En CP. Le CP, ouais. Je savais lire déjà. Et donc, évidemment, ça m'a donné de l'avance. Je suis rentré d'ailleurs avec un an d'avance. Donc oui, les premières années école et les premières années de collège, jusqu'en quatrième, disons, ça marche très 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 bien. Et à peu près dans tout, parce que j'aime bien tout. Ça commence à aller moins bien en quatrième. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en quatrième? Bah, il se passe d'abord que, disons que la vie à Sarcelles, c'est quand même pas si simple. C'est moins simple, en tout cas, que de vivre en pleine campagne Villebon-sur-Yvette. Villebon-sur-Yvette qui aujourd'hui est un plateau industriel absolument abominable. D'ailleurs, je le signale en passant parce que n'a plus aucun rapport. Voilà. Tout ça s'est totalement transformé. Il se passe aussi que mes parents sont en train de se séparer, donc c'est un peu compliqué. Il se passe que, disons, je découvre des amis de mon frère aîné au départ, qui sont des gens assez formidables, qui m'ont beaucoup formé aussi, dont un en particulier qui s'appelle Alain Bidot, qui est une exception de la bande, parce que ça devient une petite bande, très sage d'ailleurs, hein. À cette époque-là, nous sommes encore des gens très sages, mais, bon voilà, c'est. Alors moi je suis un peu tiré par mes aînés, parce que je suis le plus jeune, mon frère a 6 ans de plus que moi, et je suis, voilà, avec des adolescents, ou presque des adultes déjà, beaucoup plus grands que moi. Et je commence à avoir une vie un peu noctambule, voilà, plus ou moins. Votre mère vous laissait faire aller? Non, ma mère ne laissait pas faire, mais ma mère commence à avoir beaucoup de problèmes quoi, personnels. Il m'arrive de rentrer tard, de plus en plus tard en fait, assez alcoolisé. Ma mère sait ce que c'est qu'être alcoolisé, parce que malheureusement... Vous avez 15 ans là. Ouais, j'ai même moins de 15 ans, j'ai 14 ans. Elle avait un frère aîné qui était alcoolique, donc qui était d'ailleurs mort du délirium tremens. C'était sa hantise en plus, vraiment, l'alcool. Bon, enfin, toujours est-il que c'est comme cela. Et puis par ailleurs, au collège, disons que quand j'ai fréquenté le collège, j'ai été assez frappé du fait qu'il y avait une sorte de déficit professoral. J'ai vécu, c'est le baby-boom, hein, les années dont je vous parle. Donc d'un seul coup, le gouvernement français a demandé à des instituteurs de devenir des professeurs. Et donc, moi j'ai eu des profs qui m'enseignaient l'anglais, mais ils parlaient pas anglais en fait. Ils n'avaient jamais eu de formation, ils parlaient très mal anglais, ils m'ont même appris des choses absolument fausses. Voilà. Pendant très longtemps, je croyais que pour dire « je vais manger », I shall eat, je disais ça, donc je comprenais pas la différence entre shall et will, voilà, etc. Je dis pas du tout ça pour accabler ces gens qui étaient malheureusement, ils avaient à faire face, il fallait faire face. Vous voulez dire qu'il y avait un manque d'encadrement à la fois dans le milieu éducatif et au niveau parental? Non, je veux dire d'abord que là je parle pas de... Non, je parle de... Il y avait un niveau, disons, de formation des enseignants qui était nettement moins bon.
et qui fait que moi j'étais un petit peu, j'ai toujours été un petit peu, je sais pas comment dire ça, j'avais pas ma langue dans ma poche, donc j'étais pas insolent, je crois, hein. Je crois que j'étais pas dans ce genre, j'étais pas provocateur non plus, mais en revanche je disais les choses comme je les pensais. Et un jour il m'est arrivé, en particulier en quatrième, donc un problème avec ma professeure principale, qui s'appelait Madame Risbeck, qui était prof de maths également, et qui me donnait un cours, qui nous donnait un cours de géométrie sur la démonstration du théorème de Thalès. C'était basé sur le manuel Le Bossé-Emery. Et elle m'a demandé, elle fait venir au tableau, elle m'a demandé de démontrer le théorème, et j'ai fait une démonstration, elle a contesté ma démonstration, et moi je me suis opposé à elle en disant, mais pas du tout, c'est vous qui comprenez pas. Et je lui ai dit, je vais écrire aux auteurs du manuel. Puis on verra qui a le dernier mot. Et là, elle m'a fait redoubler ma classe. Ce qui était pour moi une catastrophe absolue. Parce que je trouvais que mes camarades de classe étaient déjà vraiment gamins, quoi. Je m'ennuyais, en fait. Et donc, me faire redoubler, pour moi, c'était... Et alors là, c'était la catastrophe. C'était injuste. C'était... Enfin, rien ne pouvait m'arriver de pire à ce moment-là. Donc, j'ai eu un... Tout à coup, j'ai complètement décroché. Je ne m'intéressais plus du tout à ce qui se passait au collège. Je croyais plus du tout, en fait. Je croyais plus dans les profs et tout ça. Ce qui était une erreur, parce qu'en plus, il y avait certains profs qui étaient très bons et très bien. Enfin, voilà. Donc, il y a eu ça. Il y a eu par ailleurs, je dirais pas qu'il y avait un manque d'encadrement parental, mais, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais ma mère était toujours très soucieuse de ce qui nous arrivait. Mais par contre, elle était un peu débordée par sa situation affective, disons, un peu difficile. Et tout ça était dans le foyer, comme on dit, foyer familial. Il y avait quelque chose qui tournait plus très rond, quoi. Voilà. Et à partir de là, moi, bon, par ailleurs, j'ai découvert, avec cette période, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des amis de mon frère qui s'appelait Alain Bidot, était un petit peu différent de nous, parce qu'à la différence de la plupart des jeunes gens qui habitaient à Sarcelles, il avait fait une classe préparatoire, il était plutôt très brillant, il avait reçu des cours de philo de Jean Marcenac, qui était un poète par ailleurs assez connu à l'époque, et un prof de philo excellent. Et d'un seul coup, il nous a fait découvrir, à mes frères et à moi, surtout à mon frère aîné et à moi, à la fois la poésie, je sais pas, de Rimbaud, de Baudelaire, mais aussi des surréalistes, la littérature, et aussi un peu la philosophie. Voilà. Lui, par exemple, était, à cette époque-là, il était surtout sartrien. Voilà. Mais de quelle manière il vous donne des livres, il vous fait des cours, il vous... Enfin, des cours informels. Surtout... Non, il nous donnait pas du tout cours, il nous recommandait de lire des choses, il nous parlait, tout simplement. Et petit à petit, nous nous mettions... à lire des poèmes. Mon frère les mettait en musique. Mon frère aîné, qui s'appelle Dominique, il faisait des musiques sur toutes sortes de poèmes. Baudelaire, Apollinaire, Tristan Tzara, certaines. Et donc, nous développions une culture comme ça. Surtout à l'époque, nous disions surréaliste. Voilà. C'était ça qui nous impressionnait le plus. Et ça, ça a été... Alors, en disant ça, ce que je veux dire, c'est que à cette époque, j'ai commencé à consommer pas mal d'alcool. Mais pour nous, consommer de l'alcool, c'était une pratique littéraire, en fait. Nous nous référions à Arthur Rimbaud, le dérèglement de tous les sens. Voilà. Donc, nous légitimions ces pratiques alcooliques, après, un petit peu avec d'autres choses. Comme vous voulez dire que c'était naturel, ça s'inscrivait dans l'activité du poète Ça s'inscrivait dans une certaine conception de la modernité, voilà, de faire l'expérience de la modernité au sens baudelairien et rimbaldien, voilà, de la poésie comme ce qui vient bousculer en fait les normes. Voilà. Et donc, et ça passait à ce moment-là pour nous, ça c'est assez courant que les jeunes gens pratiquent un peu les excès alcooliques, bon, surtout dans les milieux populaires, surtout à Sarcelles, parce que quand vous vivez dans un, ce qu'on appelait à l'époque, je crois qu'on appelle encore ça comme ça, un grand ensemble,
qui est totalement dénué, je dirais, de singularité, de, d'histoire, etc. Ben, l'alcool donne du relief à ce qui n'en a pas. Donc, alors, il y a autre chose qui joue un rôle très, très important, c'était la musique. Voilà. J'avais deux grands amis, c'était Alain Bidot, dont je viens de parler, mais aussi Sada Ndiaye, qui était un Malien, qui était passionné de musique, et grâce auquel nous avons découvert... Mon frère aîné, qui lui-même est devenu un spécialiste du jazz, nous avons découvert le jazz moderne. Voilà. Nous passions des soirées entières à écouter du jazz, à lire de la poésie et à picoler. Dans cette atmosphère, vous allez quand même poursuivre jusqu'au lycée. Vous allez être expulsé. Mais pour autant, vous n'allez pas perdre la motivation de découvrir, vous instruire, parce que vous entrez au PCF, vous découvrez des auteurs, vous êtes toujours stimulé intellectuellement, et peut-être que vous continuez à côtoyer ces amis-là en augmentant la... C'est une longue histoire compliquée. Entre, disons, 1966 et 1968, il se passe beaucoup de choses. D'abord, je quitte Sarcelles parce que mes parents déménagent. Mes parents sont toujours pas séparés. Mon père a une double vie, mais ils continuent à vivre ensemble. Et donc mon père se rapproche de son travail, il travaillait à Meudon, au studio de Meudon, et c'était pas des studios, mais enfin, peu importe, et donc nous installons à Sèvres, moi je change complètement de milieu, là tout d'un seul coup Sèvres, c'était une, là où nous étions, c'était plutôt les lieux bourgeois de Sèvres, une très 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 belle maison, tout à fait nouveau pour moi, je découvre une jeunesse un peu différente, une partie très prolétarienne, mais aussi une partie très très bourgeoise. Et dans un très très bon lycée qui est le lycée de Sèvres, qui était considéré comme un des meilleurs de France à l'époque. Malheureusement, enfin je dis malheureusement, mais après tout, je commence mes études au lycée de Sèvres, ça commence très très bien, je suis totalement enthousiaste. En plus, il y a un théâtre amateur, je m'inscris au cours de théâtre, et tout va très bien. Mais je reçois une circulaire à un moment donné, le gouvernement a décidé de créer une section A7. A7, ça veut dire bac artistique. Et moi, je faisais de la peinture à cette époque-là. Je faisais aussi du théâtre. Enfin, je m'intéressais énormément à la musique, à la peinture, à la littérature et tout ça. Je me dis, bac artistique, c'est pour moi. Donc, je change de lycée. Je vais au lycée Claude Bernard, dans le 16e arrondissement. Et là, je découvre, eh bien, une partie des élèves du 16e qui sont... Disons, ils sont membres d'Europe Action, ils sont pour l'Algérie française, ce sont, on appellerait ça aujourd'hui des fachos, voilà. Et moi je suis contre l'Algérie française, et donc je vais me politiser en fait comme ça. Je suis pas rentré au Parti communiste au départ, je suis rentré dans des mouvements d'extrême gauche, et je dirais surtout pour m'opposer à l'extrême droite. Voilà. C'est essentiellement comme ça que les choses se sont faites. Ensuite, il y a eu 68. Alors, en 1967, donc je fais ma rentrée d'abord au lycée de Sèvres, puis deux mois après, je vais au lycée Claude Bernard. Au lycée Claude Bernard, je rentre dans un truc qui s'appelle lutte ouvrière, donc qui est un truc trotskiste. Je me politise à toute vitesse. En février ou mars, il y a un truc qui s'appelle le comité d'action lycéen, dont nous faisons partie dans ce groupuscule. Et un des fondateurs de ce comité d'action lycéen est expulsé du lycée Condorcet. Il y a une manifestation place en face du lycée Condorcet, à la gare Saint-Lazare. C'est en fait la vraie première manif de 68. Et c'est pas en mars à Nanterre ou à la Sorbonne en mai, c'est en février à Condorcet. Et là, il y a une manifestation d'un peu près un millier de lycéens. Et nous renversons le quart de police. Voilà. Ça, vous le verrez dans un film qui est de Romain Goupil, que je n'aime pas du tout, ce monsieur d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a très mal évolué, mais il était déjà passionné de cinéma, il avait une caméra Super 8, il a filmé tout ça. Et c'est dans ce film qu'il a fait où il parle de 68. Donc, je m'étais politisé comme cela, et il se trouve qu'en 68, au moment du tout début de 68, à la Sorbonne, là où... Au moment où les CRS ont encerclé la Sorbonne et commencent à tirer les grenades lacrymogènes, eh bien moi, grâce à Marcel Bluval, j'avais découvert Molière et Don Juan, et je suis en train d'acheter d'occasion les œuvres complètes de Molière chez Gibert Jeune. Voilà. Et d'un seul coup, j'entends des grenades lacrymogènes qui explosent, donc je me retourne et je vais à la place de la Sorbonne.
Et 68 est en train de commencer. Et évidemment, à partir de là, pendant 3 semaines, je vais plus quitter les rues de 68. Voilà. Ce qu'on appelle, en particulier, la barricade de la rue Gay-Lussac, puisque c'est là que je vais m'installer. D'accord. Donc, vous allez vous extraire du parcours scolaire. Vous passerez jamais le bac, finalement. Oui, 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 tout à fait. Ce qui vous empêchera pas, par ailleurs, de poursuivre d'autres études plus tard. Oui, en effet. Alors, je me déscolarise totalement. De toute façon, je suis en conflit avec l'administration. Même avant 68, ça avait déjà commencé. La vie prend un tour tout à fait nouveau. Un an et demi plus tard, ma première fille naît. Donc, je suis un père très, très jeune. Et je vais devoir aller travailler. Est-ce que c'est à cette période-là où vraiment vous avez le sentiment de toucher vraiment la philosophie à travers ces lectures? Vous avez parlé de votre ami avant, mais non, en vous politisant, non. Est-ce que la vous philosophie... cristallisez quelque chose de plus profond que ça? Oui, j'ai lu. Alors après, je suis passé des mouvements gauchistes au mouvement communiste, au Parti communiste français, parce que j'avais le sentiment qu'en fait, ça avait été une manipulation, cette histoire, que les étudiants avaient été totalement manipulés, ce qui me sera d'ailleurs confirmé plus tard par un manipulé policier. Manipulé par qui? Pour faire quoi? Bah, par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Marcelin, qui savait très bien jouer. C'est un CRS qui me l'a expliqué ensuite, un CRS qui me gardait à l'hôpital quand j'étais en prison et qui m'a dit, mais toi, tu devais être en 68 à Paris, moi j'étais CRS, donc on était des deux côtés de la barricade et je vais t'expliquer comment on vous manipulait. Donc il m'a bien expliqué tout ça. Donc moi j'ai eu cette conviction que 68 était en fait une grande naïveté, disons, politique. Et c'est pour ça que je suis entré au sein du Parti communiste français. Et là, à ce moment-là, bon, j'avais déjà commencé à lire un peu Marx et Lénine, parce que dans les mouvements groupusculaires, on faisait ça. On prenait d'ailleurs les éditions de Pékin, pas les éditions de Moscou, parce qu'on était anti-stalinien. Donc je suis rentré chez les staliniens. J'ai fait une école du parti, comme on disait à l'époque. Donc là, j'ai un peu lu Marx et Hegel aussi. Mais j'avais pas de culture philosophique, vraiment. J'avais envie d'en avoir une, mais c'était très très difficile. J'avais une culture littéraire. Est-ce que c'était une première bifurcation, pour reprendre un de vos termes? Je tâtonnais, je papillonnais. Je savais pas si je voulais être musicien, si je voulais. Je voulais, à un moment donné, je voulais. J'ai essayé d'apprendre la musique, je jouais du saxophone. Je savais pas si je voulais être peintre. Je me vivais un peu au jour le jour, en fait. Hein, voilà. Et surtout, j'essayais de payer mon loyer. Ce qu'à un moment donné, j'arriverai plus à faire. D'ailleurs, je vais être obligé de quitter mon appartement parce que je suis expulsé, tout simplement. Voilà. Mais donc, je bricolais. C'est plus tard que les choses ont pris une tournure plus nette. Et on parlera de ça demain. Merci Bernard Stiegler. Bonsoir. Merci à vous. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Lauzen avec Bernard Stiegler. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.
voix nue. Cette semaine, Céline Lauzen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, errer, penser, bifurquer. Bernard Stiegler, bonsoir. Bonsoir. On s'était quitté hier en évoquant vos jeunes années, votre scolarité et puis votre politisation assez précoce. Plus tard, dans les années 70, il y a ce que vous appelez les années de plomb qui ont teinté votre adolescence. Et dans ce climat, il y a tout de même une lumière, vous l'avez évoqué hier, la naissance de votre premier enfant, Barbara. Vous avez alors 19 ans, on est en 1971. Comment la naissance de votre fille va être déterminante, va provoquer des changements dans votre parcours ? Bah, l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose d'absolument... totalement, comment dire ça, imprévisible, qui vous précipite dans la responsabilité adulte aussi. C'est très important. Le devenir adulte est d'un seul coup accéléré comme ça. Vous n'êtes pas, il faut le devenir très vite. Certains n'y arrivent pas d'ailleurs. Moi-même, sans doute que d'une certaine manière, je ne suis pas tout à fait arrivé. Et puis c'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire de devoir être adulte? Par exemple, ça veut dire devoir garantir le gîte, le couvert à son enfant. Voilà. Donc c'est tout à fait se trouver d'un seul coup face à des responsabilités que je vais essayer effectivement d'assumer. Donc voilà, je me mets à travailler et à travailler tout le temps. Avant cela, j'avais eu des quand j'avais quitté le lycée. J'avais eu des périodes où je travaillais plus ou moins. Voilà. Je faisais des petits boulots, comme on dit. J'ai fait un peu de tout, d'ailleurs. À partir du moment où Barbara est là, il faut que je travaille, voilà, que j'ai un salaire régulier, un appartement, etc. Et donc, c'est ce qui va se passer pendant, je sais plus très bien, 2 ans à peu près. Où, en fait, je vais travailler à la ville de Sarcelles. Là où vous habitez? Là où j'habite, ouais. Où je vais travailler comme agent de planning, voilà, pour planifier les travaux d'entretien de la ville. Ce qui va me faire découvrir le monde du travail du bâtiment. Je vais passer 2 années là, relativement plus calme, même si je continue de toute façon à écouter beaucoup de musique, à consommer pas mal d'alcool et ce genre de choses, mais c'est un petit peu plus régulier. Voilà, il faut s'occuper de Barbara. Mais en même temps, la vie est difficile. Je gagne très très peu d'argent, hein, je suis vraiment au minimum. Voilà. Et je m'en sors pas. Et donc, nous n'arrivons pas à payer notre loyer. Nous, c'est-à-dire Marlène, la mère de Barbara, mon épouse, avec qui je me suis donc marié en 1970, et moi-même, ce qui fait que en 1973, eh bien, nous quittons Sarcelles à la cloche de bois, comme on dit, c'est-à-dire que nous avons reçu un papier bleu d'un huissier nous indiquant que nos meubles seront saisis à partir de telle date. Voilà. Donc je trouve. Donc vous êtes expulsé, vous fuyez. Nous sommes pas expulsés, nous décidons de partir. Quelqu'un, un ami qui s'appelle Richard d'ailleurs, nous trouve une camionnette, on met les meubles dedans, du 6e étage, en laissant tout, y compris le piano, parce qu'on a un piano qu'on a, un bastringue en fait, mais voilà. Et nous partons à la campagne. Pourquoi à la campagne et pourquoi dans cet endroit de la campagne qui est le Lot-et-Garonne? Eh bien parce que les parents de ma femme Marlène ont une ferme à cet endroit-là, sur le territoire d'un village qui s'appelle Montflanquin, qui est un très beau village d'ailleurs. Et donc je travaille quelques mois avec le père de Marlène, qui élève des veaux. Et ensuite, il se passe un certain nombre de mésaventures, mais je ne vais pas tout raconter parce que ça serait trop long. Il se passe plein de choses en réalité. Et ensuite, je trouve une petite ferme à louer, une fermette, disons, et je me fais embaucher comme chauffeur agricole. C'est-à-dire que je travaille pour ce qu'on appelle une CUMA, ça veut dire coopérative d'utilisation du matériel agricole,
Et donc il y a deux chauffeurs, un chauffeur très expérimenté et moi, qui suis encore très jeune, hein, j'ai 22 ans, 21, 22 ans. Et voilà, et pendant un an, un peu plus d'un an, je vais tout faire, les labours, les moissons, oui, les foins, etc., avec du matériel. Donc je vais apprendre, par exemple, à moissonner avec une moissonneuse-batteuse. Je vais beaucoup aimer ça. Je vais beaucoup aimer ça et j'adore la campagne. Au début, c'est vraiment la disette quand même, hein. Vraiment, vraiment la disette. Je vais à la pêche avec une canne que je me suis faite moi-même, c'est-à-dire un bambou que j'ai coupé, j'ai acheté une ligne chez le quincaillier du coin, une ligne à 2 balles, et je pêche des gardons et des goujons dans le petit espace qui est derrière un moulin à eau, un petit trou d'eau là, et je suis en train de pêcher comme ça, j'y vais souvent à la pêche, parce que c'est souvent ce qu'on mange en fait. Et un jour, ce petit moulin, il est sur la route qui va à ma ferme. Et ma ferme, c'est la dernière. Après, il n'y a plus rien. Et donc, toutes les voitures qui passent vont vers chez moi. Voilà. Et un jour, je suis en train de pêcher. Et je vois passer une R16. À l'époque, R16, c'est la voiture haut de gamme de Renault. Je vois une R16 noire qui passe. Et je me dis, oh ça, ça ne me dit rien qui vaille. Donc, la R16 passe. Et 20 minutes après, elle repasse dans l'autre sens et elle s'arrête sur le pont. Et un monsieur descend et me dit « Est-ce que vous ne seriez pas monsieur Stigler ?» Je dis « Oui, en effet, je suis Bernard Stigler. » Il me dit « Je suis huissier de justice. Vous devez, je sais pas combien de milliers de francs à la SIC. » Où vous avez retrouvé, du coup. Oui. Donc, je viens saisir vos meubles, me dit-il. Et bien, je lui dis « Vous pouvez saisir ma canne à pêche et mes poissons. » Parce que les meubles, ils sont pas à moi, j'ai loué une fermette meublée, donc vous pouvez pas y toucher, donc prenez la canne à pêche, et les poissons si vous voulez. Alors le monsieur est très surpris, et en fait il est sympathique. Il me dit, écoutez monsieur, j'ai bien compris, on va arranger votre affaire. Voilà. Et finalement, il vient chez moi, on passe une heure ensemble, et il fait un truc, enfin un rapport, en disant, de toute façon ce monsieur n'a absolument rien. Donc laissez tomber, voilà. Et je suis débarrassé de ma dette vis-à-vis de la SIC. Donc au début c'est assez difficile, et petit à petit les choses vont s'arranger doucement. Je travaille donc dans ces fermes, et un jour je rencontre, je sais plus très bien comment d'ailleurs, par hasard, un monsieur qui s'appelle Monsieur Longserre. Il doit être décédé maintenant, ou alors il est très très vieux. Et qui, je sais pas pourquoi, il s'intéresse à moi. C'est un agriculteur d'un peu plus loin, pas là du village de Montflanquin, mais de Villeneuve-sur-Lot. Et ce monsieur, je sais pas pourquoi il me prend en affection. Et un jour, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas un élevage? Pourquoi t'élèverais pas des chèvres? Moi, j'ai des chèvres. Il a un gros élevage de chèvres, en fait. Il a 400 chèvres laitières. Il me dit, si tu veux, tous les ans j'en réforme, eh bien, je te les vends pas cher du tout. Je lui dis, mais j'ai pas d'argent, je peux pas les payer. Il me dit, je te fais crédit, quand tu auras l'argent, tu me paieras. Donc comme ça, je me retrouve avec 30 chèvres. L'année d'après, j'ai des chevrettes, etc., etc. Et puis, il me donne aussi des oisillons, voilà, puisqu'il a aussi 4000 oies. Et je me mets à élever des oies, à faire du foie gras. Et finalement, ça va fonctionner pas trop mal. Est-ce que cette période où vous vous retrouvez un peu reclus, le travail à la terre, dans la ferme, est-ce que ça vous remet un peu les idées en place, ça laisse le temps pour réfléchir? Alors, me mettre les idées en place, je sais pas, parce que par ailleurs, j'ai planté de la marijuana, et donc j'en fume pas mal. c'est comme ça que j'évite de boire trop d'alcool en fumant, en fait. Je dors plus régulièrement, parce que je travaille énormément, énormément. C'est vraiment 12 heures par jour. J'adore ça. Moi, je me sens très bien dans tout ça. Oui, sûrement que c'est clair que je change un peu voilà, j'ai une vie beaucoup plus saine, en fait. Après, je me vois très très bien finir agriculteur, moi, donc ça me convient tout à fait. Et ça se passe pas mal. Je m'en sors plutôt pas mal du tout. J'ai des bonnes lactations, comme on dit. Mes animaux produisent pas mal. Je m'en occupe bien. Mais il y a la sécheresse de 1976.
Et la sécheresse de 76, c'est une énorme catastrophe agricole. Voilà. Et elle va me tomber dessus. Heureusement, d'ailleurs, je vais la voir venir. Il ne pleut plus à partir de février. Mais non seulement il pleut plus, mais il n'y a même pas de rosée. C'est-à-dire que le temps devient archi sec. Et déjà, je sais pas, au mois de mai, déjà l'herbe est grillée. Et donc je me dis, ça c'est une catastrophe pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai très peu de surface. Donc j'achète beaucoup de fourrage sur pied. J'achète parfois du fourrage bottelé. Et là, je me dis, je vois le prix du fourrage qui monte. J'ai du mal à trouver des agriculteurs qui me vendent leur fourrage sur pied. Et donc, je me dis, je vais devoir vendre les bêtes. Je pourrais pas les nourrir. Et d'un seul coup, je me dis, ben, on vend tout. Voilà. Et je passe une annonce. Coup de bol incroyable. Quelqu'un veut acheter. Il est fou, hein. Il veut acheter. Donc il m'achète toutes mes bêtes, j'ai 80 chèvres à cette époque-là, des chèvres en lactation. J'ai une trayeuse électrique, j'ai du matériel agricole, il me prend tout. Parce qu'en fait, il veut installer sa femme, ce monsieur, et créer une ferme, voilà. Alors, je vends tout et je rembourse une partie de mes dettes, parce qu'évidemment, j'ai des dettes. Sauf que ce qui va évidemment être la très mauvaise surprise, c'est que je lui ai fait des traites et que la première traite est payée, mais les secondes, les troisièmes ne le sont pas. Donc je vais me retrouver finalement avec des dettes. Voilà, entre-temps, comme je crois que je vais être payé, j'achète une espèce d'épicerie à Toulouse, dans un quartier qui s'appelle la Croix de Pierre, et je me dis, je vais monter un petit resto. Et donc, je trouve un petit resto, en fait. C'est une ancienne épicerie qui avait été transformée en restaurant. Mais les gens qui étaient, les épiciers, en fait, avaient essayé de faire un restaurant comme on fait de l'épicerie. Et c'est pas du tout là. On vend pas des boîtes de petits pois et des cassoulets de la même manière. Donc, ils comprenaient rien au métier. Donc, ça marche pas. Et ils décident de vendre. Et ils vendent pas cher du tout. Donc, moi, je trouve un petit fonds de commerce. Voilà. Qui est très joli par ailleurs. C'est une maison qui est avec une terrasse autour, avec des jolis arbres et tout ça. Et donc je vais monter un restaurant. Vous allez transformer l'endroit pour le transformer en bar? Ah non, ça va rester un restaurant, ça. Ça reste un restaurant dans un premier temps. Ouais. En fait, je vais prendre un bar après. Ce restaurant-là, donc qui s'appelle La Marmite en Folie, ça va marcher très très vite, très bien. Je vais l'arranger, je vais mettre du papier assez joli et tout ça, je vais arranger la terrasse autour, je vais mettre un petit truc pour faire griller des choses. Et en l'espace de 2 mois, je vais passer de 10 couverts à 200 couverts par jour. Voilà. Ça va marcher très 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 bien. En fait, toute la jeunesse, il y a 300 000 étudiants à Toulouse à cette époque-là. Donc toute la jeunesse noctambule connaît La Marmite en Folie. Je passe de la musique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire écouter la musique aux gens. Je fais la cuisine et je fais découvrir des musiques de jazz. Voilà. Et donc, plein de gens viennent. Ça ne désemplit pas. Je suis obligé d'embaucher plein de gens, etc. Et un jour, quelqu'un me dit, ton restaurant me plaît beaucoup. Est-ce que tu ne voudrais pas me le vendre ? Je lui vends. Il m'arrive exactement la même chose, il va pas me payer. Mais avec, pareil, exactement pareil, avec la première traite, je vais acheter un autre fonds de commerce. C'est un bar, cette fois-ci, c'est un bar qui a été fermé par la police, qui était un bar du milieu, en fait, où il s'est passé des choses, qui était un peu un bar maudit, qui a été fermé plusieurs fois, c'était un bar de prostituées, etc. Donc j'arrive à avoir ce bar pour pas grand-chose. Un bar, ça coûte cher, en général. Quand je dis un bar, c'est pas, j'achète pas les murs ni rien, c'est le juste fonds de commerce. Le fonds de commerce. Et donc j'arrive à obtenir ce bar qui lui va marcher très très bien aussi. D'abord, il se trouve en face du marché Victor Hugo, qui à l'époque c'est tout près de la place Wilson à Toulouse. Le marché Victor Hugo, c'est le marché où les restaurateurs viennent faire leurs courses parce qu'on y trouve de la bonne viande, des bons produits pour faire de la bonne restauration. Et donc c'est un endroit où dès 5h du matin, vous avez des gens qui s'installent, à 6, 7, 8 heures, vous avez les restaurateurs qui viennent, qui font leurs achats, c'est plein d'animation. Voilà. C'est pas très grand, c'est un petit endroit, mais c'est un peu des toutes petites halles de Toulouse. Et au départ, moi je me dis, je vais faire un bar pour les gens du marché. Et c'est un bar où je passe de la musique de Carlos Gardel, par exemple, des choses comme ça. J'ouvre à 11h du matin,
pour l'heure de l'apéro des marchands qui gagnent bien leur vie à cette époque-là, hein, et qui viennent boire le champagne à partir de midi et demi. Voilà, je leur fais à manger, ça marche très bien, j'ouvre aussi le soir, et le soir ça marche du tonnerre de Dieu. Ce qui va faire que très vite, en fait, je vais n'ouvrir qu'à partir de 17h le soir. Et ça va devenir un bar de nuit, qui est aussi un bar musical, moi mon activité essentiellement c'est de faire découvrir des disques nouveaux à ma clientèle, et ensuite je vais faire venir des musiciens. C'est-à-dire que ça va devenir ce qu'on appelle un piano bar, où il y a donc un piano et la place pour une contrebasse, une batterie et souvent un chanteur ou une chanteuse. Voilà. Donc c'est un endroit qui attire beaucoup de monde, notamment des philosophes. Un philosophe en particulier qui sera très important dans votre vie, c'est Gérard Granel. Oui. Oui, ça attire beaucoup de monde, toujours la clientèle que j'avais déjà à la Marmite en Folie, sauf que là c'est une clientèle vraiment beaucoup plus nocturne. Il y a effectivement une partie des étudiants de philo qui viennent pas mal. Parce Et c'est que très prof, universitaire aussi. Voilà, leur prof, Gérard Granel, vient. Granel, à cette époque-là, à Toulouse, c'est une autorité, c'est un notable, si je puis dire. Il détesterait m'entendre dire ça, parce qu'il voulait surtout pas être un notable, mais disons que c'est quelqu'un de connu, c'est le grand philosophe de Toulouse à ce moment-là. Et en effet, on devient copains, sur des bases, la musique, il aime bien picoler un peu aussi, il aime bien s'encanailler un peu aussi, voilà. Et moi, je suis une petite canaille, gentil, mais quand même, voilà, je suis un peu... Donc on devient amis, et il vient de temps en temps, hein, il vient une fois ou deux par semaine, mais on devient vraiment amis, et quand la vie va devenir plus compliquée pour moi, il va être très très présent pour m'accompagner. Voilà. On en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est un lieu où on s'amuse beaucoup, il y a de la bonne musique, aussi un peu de drogue. Disons que c'est un lieu, il y a ce qu'on appelle la faune nocturne, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Les gens font la queue pour entrer. Et évidemment, il y a tout ce qu'on veut, en fait. Il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi des noctambules en général, des fêtards. Et puis il y a aussi des prostituées, des travestis et des trafiquants, des petits voleurs, des marchands de tout, d'héroïne, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et un soir, les flics débarquent et font une descente. Oui, alors en fait, il y a eu une bagarre entre des parachutistes, parce qu'à cette époque-là, il y a un régiment de parachutistes dans le coin, pas à Toulouse même, mais pas très loin, ils débarquent de temps en temps. Moi, dans mon bar, il y a des gens, mais les gens qui travaillent pour moi d'ailleurs sont algériens et marocains, et un jour, il y a une bagarre entre ces paras, qui sont très racistes en général, et mes serveurs, qui sont plutôt costauds, et ça cogne dur, voilà. Donc la police arrive et tout ça pour calmer l'affaire, mais deux, trois semaines plus tard, la police débarque en force, et de manière très spectaculaire, avec des chiens policiers, des pistolets mitrailleurs, arrête tout le monde, main en l'air, et trouve plein de gens en situation irrégulière, avec par exemple des sachets d'héroïne, avec cannabis bien sûr, et des gens aussi qui étaient recherchés par la police. Donc à partir de là... Ils vous embarquent ? Moi ils m'embarquent pas, mais ils me convoquent le lendemain au commissariat. Pourquoi ? Et donc le lendemain, ben, je suis reçu par le commissaire Castex. Je me souviens très bien de son nom parce que son fils... qui était un étudiant des Beaux-Arts, avait fait mon bar. Voilà. Donc je connaissais son fils, et je savais que son père, quand il travaillait chez moi, était le commissaire de police de Toulouse. Voilà. Et donc le commissaire Castex, qui est plutôt agréable d'ailleurs, un monsieur plutôt cordial, m'explique assez gentiment et poliment, vous savez bien, monsieur Stigler, il m'appelle monsieur Stigler encore à ce moment-là, voilà. Vous êtes un commerçant, vous savez très bien que quand on tient un bar, il faut rendre un peu de service à la police. Et donc il me sort un trombinoscope avec des photos de plein de gens, en me disant tous ces gens-là, on les surveille. Ceux-là, on sait qu'ils viennent dans votre bar. Donc quand vous les verrez, il faut nous appeler. Donc il vous fait du chantage pour être indique,
en quelque sorte. Oui, comme ce qu'ils font avec tous les bars où il y a des gens qui du milieu qui y passent, hein, du milieu, pas forcément du milieu, mais enfin des gens suivis par la police. Donc moi je dis rien, je ne dis pas non. Mais je rentre le soir, ça se passe vers 2-3 heures de l'après-midi. Donc je retourne à mon bar dans l'après-midi, je téléphone à un de mes employés et je lui dis tu vas me trouver un serrurier et on va faire installer une sonnette avec une serrure électrique, etc. Et je t'expliquerai plus tard pourquoi. Donc le serrurier vient en urgence, il installe le truc et à partir de là, moi je ne suis plus au bar à choisir les disques, je me mets à la porte. Et chaque fois que je vois quelqu'un dont j'ai vu la photo au commissariat de police, je lui dis « Écoute, je suis désolé, mais je t'ai vu en photo au commissariat, donc je te conseille de changer de quartier. » C'était audacieux. Ce qui va énormément énerver la police et qui ensuite va me persécuter, finalement fermer mon bar. Voilà. Par ailleurs, il y avait le plan de Raymond Barre, il me semble, dans ces années-là, qui va un peu accélérer la ruine de votre affaire. Bon, enfin, oui, il y a eu ce qu'on appelle le plan Barre. C'était le deuxième plan Barre, parce qu'il y a eu plusieurs plans Barre, comme on disait. Donc c'était notamment des mesures qu'avait pris donc Raymond Barre, qui était le premier ministre du président Giscard d'Estaing, pour en particulier assainir les dettes des commerçants et donc diminuer les autorisations de découvert. Ça va se combiner avec le fait que à 300 mètres de mon bistrot, tout à côté de la place Victor Hugo où j'ai mon bar, sur l'avenue Alsace-Lorraine, il y avait un bar qui s'appelait le Bar Belge, qui était bourré à craquer jusqu'à ce que j'ouvre moi mon bar, et je lui ai piqué au moins la moitié de sa clientèle. Donc ce type-là me déteste, et il se trouve qu'il est copain avec le directeur de mon agence bancaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Du jour au lendemain, on va me supprimer mon découvert. Et comme je suis pas du tout un bon homme d'affaires, je m'en fous en fait de faire des affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses sympathiques. Et donc, j'ai aucune réserve financière. Et je vais me retrouver sans pouvoir payer mes fournisseurs. Et j'ai 90 jours de bière, comme on dit, c'est-à-dire de fourniture de boissons à payer. Donc, à partir du moment où mes fournisseurs reçoivent une traite impayée, tous débarquent en me disant on veut être payé, sinon on ne vous livre plus. Donc effectivement, ils ne livrent plus, donc je ne peux plus faire tourner ma boutique, et bien je décide d'aller braquer ma banque. Voilà. C'est un coup de folie, mais j'étais un peu dingue à cette époque-là quand même. Vous aviez 25 ans, c'est ça? Oui, je devais avoir 25 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc, bon, mais ça fait partie, effectivement, vous parliez tout à l'heure des années de plomb, des années 70. Ou hier, je me souviens plus. Ces années 70, ce sont des années très particulières. Beaucoup de mes amis tournent mal, comme on dit. Deviennent drogués, gravement drogués. Y en a qui se suicident. C'est vraiment une période... Les Brigades Rouges apparaissent en Italie, la bande Abadère apparaît en France, du terrorisme, de la mélancolie, etc. Et donc il y a une espèce de changement, parce que c'est la gueule de bois de 68, d'une certaine manière. Voilà, et ce qui fait qu'il y a une... Ça commence à... C'est la fin des Trente Glorieuses. Ça va mal. C'est le début de la crise économique avec l'OPEP qui remonte les prix du pétrole, etc., etc. Ça commence à aller mal, voilà. Et vous donc... dites ça pour justifier un peu cette action, ce passage à l'acte? Bah moi je dis pas du tout que moi j'ai fait ça parce que j'ai besoin d'argent, hein, faut être clair. Et j'avais deux avocats. Le premier avocat, qui s'appelait Jean-Marc Dillan, qui était un de mes clients en fait, m'a dit il faut que tu plaides de l'action politique et tout. J'ai dit pas question, je suis anti-terroriste, je déteste les terroristes et j'ai horreur de ce genre de... Donc voilà, j'ai jamais voulu plaider ça. Non, c'était pas du tout politique. Voilà, c'était un coup de folie. J'avais besoin de l'argent. Effectivement, j'avais le sentiment que c'était injuste parce que mes affaires marchaient très très bien. On me les casse d'un coup. Voilà, mais bon. Vous dites que c'est un coup de folie, mais vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oui. Et c'est la cinquième fois? Non, quatre fois. C'est quatre la quatrième fois. Fois que je suis arrêté. Oui, pardon. Quatrième fois. Oui, mais, donc, le problème, folie, c'est qu'à partir du moment où, quand vous faites ça... vous entrez d'un seul coup, vous êtes entré dans la clandestinité.
Donc quelque chose qui est absolument interdit et qu'il faut dire absolument à personne. Donc psychologiquement, vous changez. Voilà. En plus, en fait, le premier braquage que j'ai failli me faire prendre. En fait, pour tout vous dire, j'ai braqué ma propre agence. Donc j'étais grimé et tout ça, mais il y a quelqu'un à l'agence qui a dit « mais ça ressemble à nos clients, ça ». Et donc vous avez mis une perruque. Oui, j'ai mis une perruque, une fausse moustache, vraiment. Et c'est presque du grand guignol, en fait. Hein. C'est complètement... voilà. C'est pas du tout professionnel, comme on dit. Donc il y a quelqu'un qui dit « mais ça ressemble à Stigler, voilà, à un de nos clients ». Il se trouve que la police, du coup, va foncer chez moi... Et elle va pas me trouver. Et je sais plus comment ils vont s'apercevoir. En fait, je suis au jardin des plantes avec mes enfants. Parce qu'entre temps, j'ai eu un deuxième enfant qui s'appelle Julien. Et je garde mes enfants au jardin des plantes de Toulouse. Et les flics me suivent au jardin des plantes. Et ils me voient jouer avec mes gosses, on fait du manège, tout ça. Ils se disent, mais c'est pas un type qui a braqué une banque, c'est pas possible. C'est pas possible. Et finalement, je rentre chez moi avec les enfants. Et arrivé chez moi, paf, ils débarquent. Main en l'air, tout ça. Bon, ça choque un peu les enfants. Et bon, je leur dis, vous êtes malade, qu'est-ce qui vous prend, tout ça. Et finalement, je les convainc. Ils se disent, c'est pas possible, ça peut pas être ce type-là. Sauf que, un bon policier, il ne lâche jamais un suspect. Et un jour, parce que à côté de chez moi, il y a un petit bistrot qui s'appelle les Trois Piliers. Et je vais toujours prendre mon café vers 2h de l'après-midi, je me lève très tard. Et un jour, je vais boire mon café au bar des Trois Piliers, et Willy, qui est le garçon de café, qui a... après j'ai appris que c'était un truand d'ailleurs, il me dit, regarde dans la glace derrière moi. Il me dit, tu vois la 4L là? T'as vu le mec qui est dedans? C'est un flic, il te suit partout. Et donc, j'entre dans un truc... La paranoïa. De parano, ouais, enfin disons que, voilà. Et à partir de là... Voilà, je suis entré dans... Ça, c'est une bifurcation. Ma vie a bifurqué. Je suis devenu quelqu'un qui est... voilà, hors la loi, comme on dit. Ce qui est grisant, un peu. En plus, quand on attaque une banque, enfin, quand on fait ce genre de choses, on a une production d'adrénaline absolument exceptionnelle. Et d'un seul coup, on vit une espèce de chose qui ne peut pas arriver autrement. On y prend goût, en fait. On y prend goût et vous prendrez goût plus tard à la philosophie. On en parlera demain. Merci, Bernard Stiegler. Bonsoir. Bonsoir. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Lauzen avec Bernard Stiegler. À voix nue. Réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.
Cette semaine, Céline Lozen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, un laboratoire carcéral. Bonsoir Bernard Stiegler. Bonsoir. Voici le troisième soir qu'on se retrouve chez vous dans votre moulin. Alors hier et avant-hier, nous avons parlé de vos origines, de votre enfance, puis votre adolescence et vos jeunes années, vécues dans une période un peu sombre. On a compris comment votre parcours a été par la suite un peu fantasque, fait de bifurcations. Un destin qui vous a imposé de prendre des risques et finalement vous a conduit derrière les barreaux. Vous en prendrez pour 5 ans entre la prison Saint-Michel de Toulouse puis au centre de détention de Muret. De la prison, vous direz qu'elle a été le lieu possible pour une construction intellectuelle grâce à la lecture et la pratique de la philosophie, que la prison a été l'occasion de penser le monde hors du monde, d'exploiter le temps pour sculpter votre esprit et étudier la société dans ses arcanes à la lumière de Platon, Kant, Heidegger ou Derrida et bien d'autres. Mais en disant cela, est-ce que vous ne sublimez pas un peu trop ce passage de votre vie? Parce que tout de même, avec le Parti communiste, vous avez pu recevoir une démarche de pensée, une méthode, des outils intellectuels pour analyser, interpréter, inférer les phénomènes. Donc je me posais la question, sans cette formation de l'esprit préliminaire, est-ce que vous auriez connu le même sort en prison? Ah, mais la réponse est clairement non, bien entendu, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Hein. En fait, moi, je m'en suis sorti en prison parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, à commencer par le fait que je suis arrivé après les émeutes qui avaient eu lieu en 73 ou 74, je me souviens plus, des grandes, grandes émeutes en prison où il y avait eu des morts, là, beaucoup de morts. Et qui ont fait que il y avait eu des réformes dans les prisons. Donc je suis arrivé, je dirais, au moment le moins dur de l'histoire de la prison. Deuxièmement, il y avait un directeur de prison, franchement, qui était, je crois, intelligent. Voilà. Et vraiment motivé par le fait que on n'est pas là pour faire subir le maximum de peine aux détenus, mais surtout pour éviter qu'ils reviennent. Je pense qu'il y croyait vraiment. Je l'ai jamais rencontré, moi, mais par contre, j'ai vécu sa politique. Donc, troisièmement, Gérard Granel, je dirais que c'est même certainement la première raison, m'a énormément soutenu. Et ça, ça arrive pas à tous les prisonniers. Je dirais que c'est absolument exceptionnel. Et puis, quatrièmement, en effet, j'avais une éducation, mais je dirais avant le Parti communiste, j'avais l'éducation de ma mère. Parce que ma mère, qui était une femme du peuple, hein, qui avait d'ailleurs connu vraiment la misère, elle, eh bien, ma mère, elle croyait énormément à la culture. Et donc, elle lisait beaucoup déjà, pour commencer. Et elle avait une vraie culture littéraire, et du sérieux, quoi. Elle connaissait tout Balzac, tout Stendhal, tout Flaubert, etc. Elle connaissait Dostoïevski, Tolstoï, Giono, enfin bon. Et elle nous faisait lire, tous mes frères. Nous étions des lecteurs, voilà. Et nous adorions lire, voilà. Et elle nous en donnait l'exemple. Et non seulement ça, mais elle achetait des disques. Moi, j'avais une culture musicale classique, parce que ma mère, elle n'était pas du tout amatrice de musique classique, mais elle pensait qu'il fallait le développer chez ses enfants. Donc, on avait des très bons disques de musique. Je connaissais Schubert, Beethoven, tout ça, Bach. Et d'autre part, elle avait acheté aussi une collection d'histoire de l'art. On avait toute l'histoire de l'art à la maison. Donc ça, c'était la première base. La deuxième base, c'était pas quand j'étais membre du Parti communiste, mais c'est quand j'étais à Sarcellois. Il y avait une mairie communiste, enfin plus exactement une mairie d'union de la gauche. Et à cette époque-là, eh bien, moi j'ai découvert par exemple Lorjou, qui était un disciple de Picasso, par une grande exposition à Sarcelles, Lorjou, extraordinaire, comme aujourd'hui on verrait au Centre Pompidou. J'ai découvert le théâtre, je disais l'autre jour, par la télévision française, et c'est vrai, grâce à Marcel Bluval notamment, mais aussi grâce à la politique du PC, voilà, qui chaque année organisait un festival de théâtre sous chapiteau. Voilà. Et donc,
Après, sur cette base-là, je me suis politisé, comme j'avais expliqué, surtout contre l'extrême droite. Et puis ensuite, j'ai passé 7 ou 8 ans au sein du Parti communiste français, où là, j'ai appris aussi à parler, à argumenter, etc. J'écrivais des articles pour des journaux de cellules, comme on disait à l'époque. Et donc, oui, j'étais beaucoup mieux armé, je dirais, que la plupart de mes co-détenus pour faire face. J'avais pas peur de la solitude du tout. Donc, D'ailleurs, vous allez militer pour avoir une cellule indépendante. Ah, je vais pas seulement militer, mais je vais me battre. De la fin. Là, je vais me battre comme un chien. C'est-à-dire que ça, c'était le truc absolument non négociable. J'ai arrêté de manger. Je disais, tant que je serai pas seul en cellule, j'arrêterai. Je mangerai plus. Donc, bon, on m'a dit, vous allez au mitard. Moi, je dis, je vais au mitard. Donc, j'ai fait du mitard. Et après, ils m'ont ressorti parce qu'ils ont pas le droit de vous laisser au mitard plus d'un mois, etc. Donc, mais j'étais en QHS. J'ai vraiment connu tous les endroits, disons, de pénalisation interne. Mais moi, je m'en foutais de tout ça. Parce que ce qui m'apportait, c'était qu'on me laisse travailler. Donc, je voulais être seul pour pouvoir travailler. Enfin, quand je dis travailler, au départ, je voulais pas travailler, je voulais lire. Et puis, j'ai lu. J'adorais ça. Donc, j'ai lu. Il y avait une bibliothèque dans cette prison. Comme dans toutes les prisons françaises, il y a des bibliothèques. Ça fait partie de la réglementation. Donc, vous lisez aussi parce que Gérard Granel vous apporte des livres et vous permet d'étudier en vous inscrivant aussi à l'université de Toulouse. Tout à fait. Par ailleurs, Gérard m'a dit... Gérard Granel, c'était une figure. Et c'était quelqu'un d'assez entreprenant et parfois très colérique. Donc, il a débarqué chez le juge qui instruisait mon affaire en disant « Je veux avoir le droit de visiter ce détenu ». Alors, le juge lui a dit « Mais monsieur, vous ne pouvez pas ». Il dit « Mais moi, je... » Il a fini par obtenir. En disant « Je suis le patron de la philosophie ». Il a réussi par obtenir un droit de visite d'avocat. Alors, qu'est-ce que c'est un droit de visite d'avocat? Ça veut dire qu'il pouvait rentrer, il n'y avait pas de grille entre lui et moi, et il me passait des bouquins. Et l'administration pénitentiaire laissait faire, voilà. Ça, c'est une chance. Aujourd'hui, à mon avis, c'est totalement impossible de faire ça. Donc, effectivement, ce qui a été formidable, c'est que j'ai pu me faire une bibliothèque, en fait. Voilà. Et donc, petit à petit, ma cellule est devenue un bureau avec une bibliothèque. Voilà. Et par ailleurs, en effet, j'avais une base de pratique, de lecture, de discussion, etc., qui faisait que finalement, je supportais plutôt très bien la prison. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je voulais relever. Vous avez dit « trop sublimé ». Vous avez peut-être trop sublimé, vous disiez. Non, on ne peut pas trop sublimer. Le problème, c'est qu'est-ce que veut dire sublimer ? Sublimer, ça veut dire transformer ses pulsions en investissement. C'est une expression, on peut l'employer, évidemment, le mot sublimer, il existe en divers sens, mais moi, je l'utilise au sens de Sigmund Freud, dans un texte de 1923. Le moi et le ça. Sublimer, ça veut dire transformer les pulsions en activité de savoir, en fait. Voilà. Alors ça peut être un savoir de jouer au football, ça peut être un savoir de jouer au maître, ça peut être un savoir élever ses enfants. Mais vous allez lire et écrire? Moi, je vais lire. D'abord, je vais lire beaucoup, beaucoup. Et puis, je vais commencer à avoir l'ambition d'écrire, ce qui est une ambition que j'avais depuis très longtemps. Je voulais tout faire, moi. Quand j'étais gamin, j'écrivais des poèmes, je faisais de la peinture, je faisais du théâtre, etc. Et je voulais explorer tous ces trucs-là. Et là, je me suis dit, oui, au bout d'un mois ou deux de prison, je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir écrire. Je vais enfin pouvoir me mettre à... Voilà. Et j'ai effectivement commencé à écrire. Et au bout de 4-5 mois, je me suis aperçu que ce que j'écrivais n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire que j'avais rien à dire, en fait. Et là, je me suis posé un problème. C'est pourquoi est-ce que ce que j'écris est nul? Et donc, j'ai décidé d'étudier la littérature. Donc, c'était l'époque où on sortait du structuralisme. Donc, c'était l'époque où Gérard Genette, par exemple, avait développé toute une théorie de ce qu'il appelait la poétique. Svetan Todorov avait fait toute une théorie de la lecture, etc. Ça me passionnait complètement. Et j'ai donc décidé de m'inscrire en linguistique pour faire de la linguistique générale et de la poétique. Donc ma première année, c'était pas dédié à la philo, c'était dédié à la linguistique. Vous vous inscrivez à l'université. Grâce à Gérard Granel. Alors que vous êtes... Alors que je suis détenu, parce que à l'université de Toulouse à l'époque, il y a un système de téléenseignement
Et par ailleurs, ça c'était un, comme on dit, un acquis de mai 68, on a le droit de s'inscrire à l'université si on n'a pas le bac, puisque j'ai jamais passé le bac, à condition de passer un examen. Donc, dès que je suis arrivé en prison, Gérard m'a dit, tu vas passer les ESE, ça s'appelait, examen spécial d'entrée à l'université. Et en effet, j'ai passé ça. Ça a été, voilà. Je suis rentré en prison au mois de juin. Septembre, octobre, novembre, je me suis mis à travailler. J'étudiais l'histoire, la géographie, le français, l'anglais. Et voilà. Donc là, j'étudiais pour obtenir cet examen. Voilà. Et je me suis inscrit en linguistique. Mais très vite, étudiant la linguistique, j'ai découvert que la linguistique posait des problèmes, en fait, que les philosophes du langage avaient posé, et que en fait dès Platon on commençait à se poser des questions qu'on posait sur ce que c'est que l'évolution des langues, etc. Le grand penseur de cette question, c'est Humboldt au XIXe siècle, qui avait le physicien, non pas le physicien, son frère et le philosophe, voilà, et qui avait développé toute une question de philosophie du langage, disons. Et c'est ça qui fait que je me suis mis finalement à faire de la philosophie. Comment on fait de la philosophie seul, quand on n'a pas eu une formation rigoureuse, parce que la philosophie nécessite de connaître beaucoup de vocabulaire. Quand on lit Kant, Heidegger, il faut disséquer chaque mot, chaque phrase pour comprendre. Alors, j'ai quand même pas étudié tout à fait seul, parce que j'avais des cours de téléenseignement. Donc j'étais inscrit à des cours, j'avais 7 UV par semestre, comme tous les étudiants, et tous les profs m'envoyaient leurs cours en photocopie, je passais les examens. Donc j'étais pas vraiment seul, j'étais accompagné, mais à distance. Voilà. Et ben moi je pense que c'est la meilleure manière, parce que ça évite la fascination pour les grands profs. Parce que j'ai connu beaucoup de grands profs. Granel était un très grand prof, mais moi, j'ai jamais vu enseigner Granel. Par contre, j'avais beaucoup d'amis qui l'avaient eu comme prof. À un moment donné, un de mes serveurs dans ce bar était un des étudiants de Granel. Et il me disait, Granel, c'est un prof extraordinaire. Après, j'ai vu de très, très grands profs. Derrida était un très grand prof. Lyotard était un très grand prof. De Santi, etc. C'était des profs extraordinaires. Mais c'est dangereux, ça. Parce que ça peut, d'un seul coup, vous fasciner complètement. Et moi, je pense que moins il y a d'intermédiaires entre le texte et vous, mieux ça vaut. Donc, on a besoin de profs, parce que c'est très dur de rentrer la critique de la raison pure. C'est extrêmement difficile à lire. Donc, y entrer tout seul, c'est presque impossible. J'étais pas tout seul. J'avais des retours, je passais des examens, tout ça. J'avais en plus du contrôle continu, donc j'avais des dissertes à écrire. Ma première disserte faisait 33 pages tapées à la machine. Et le prof, c'était à peu près 4 ou 5 fois plus long, ou 10 fois plus long qu'une disserte normale. Voilà. Et le prof, je crois, il en avait vraiment, il devait dire, heureusement que j'ai pas que des copies comme ça. C'était plutôt très long. Mais j'investissais à fond dans ces trucs-là. Voilà. Ce qui fait que je nouais une relation, du coup, avec les profs assez forte. D'une façon générale, j'avais des correspondances avec les profs, avec tous mes privilégié, profs. Finalement. Et finalement, j'étais très encadré, peut-être plus que les étudiants à l'université. Voilà. Et certains profs venaient me faire passer des examens à la prison. Voilà. Après la situation de la solitude carcérale, ça je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Passer à l'acte », ça crée ce que j'appelle un laboratoire phénoménologique. Ce qui m'a le plus inspiré dans la philosophie contemporaine, c'était la phénoménologie. La phénoménologie, c'est un courant philosophique de la philosophie allemande qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qui est produite par un philosophe qui s'appelle Edmund Husserl, qui au départ d'ailleurs était un mathématicien, qui a étudié la philosophie parce qu'il voulait repenser les fondements des mathématiques. Et qui, c'était un philosophe d'une extraordinaire rigueur. Voilà. Il suivait l'exigence mathématique, je dirais, dans sa façon de penser. Donc c'est une philosophie très austère. Analytique. Analytique, mais pas au sens de la philosophie analytique américaine,
mais effectivement très analytique, très 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 précise, et qui a mis au point ce qu'il appelait lui-même une méthode, quoi, qu'il appelait la méthode phénoménologique. La question de Husserl, c'était de reprendre la question de Descartes, c'est-à-dire de repartir de ce que Husserl va appeler l'ego transcendantal. Vous savez que Descartes, dans les méditations et la méthode, pose que la seule chose dont je ne puisse pas douter, c'est que j'existe. Voilà. Je peux douter de tout, je peux me dire, en ce moment je suis en train de faire une émission avec France Culture, mais peut-être parce que j'ai toujours rêvé de passer à France Culture, ou je sais pas quoi, tout ça, ça peut être un rêve. Voilà. Mais y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que quand je rêve, je rêve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est irréductible. Voilà. Ergo sum. C'est cogito ergo, ego cogito ergo sum. C'est-à-dire, je pense donc je suis. Bon, tout le monde a appris ça. Tous les gens qui sont allés au moins en terminale ont appris que ça, c'est le début de la philosophie moderne. Husserl a repris cette position cartésienne, mais en la radicalisant, c'est-à-dire en disant c'est pas simplement une expérience de pensée à un moment donné que je vais faire, c'est ma façon de philosopher en permanence je vais produire ce qu'il va appeler une réduction phénoménologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais poser que tout ce qui m'entoure, en fait, ça peut être un leurre, ça peut être une illusion, et donc je vais réduire ce qu'il appelle la thèse de l'existence du monde. Je vais essayer de penser en me passant de l'idée que le monde existe. Et j'ai essayé de déduire à partir uniquement de mes ressources égologiques, dit-il, c'est-à-dire partant de mon ego. C'est pas l'ego au sens des psychologues, hein, c'est l'ego transcendantal, c'est-à-dire le sujet qui doute et qui ne peut pas, en doutant, douter du fait qu'il est en train de douter, c'est-à-dire je doute et donc je suis. Voilà. Il va radicaliser ce truc-là, il va appeler ça donc l'époquet transcendantale, la suspension de la thèse du monde. Moi, en prison, quand je lis ça, je me dis, mais moi, le monde, il n'existe pas, de toute façon. Parce qu'une cellule, c'est pas le monde. Vous êtes dans un état de suspension du monde? Je suis en dehors du monde. Ce qu'on appellerait dans le langage sociologique un paria. Voilà. Donc je suis en dehors du monde, complètement. Donc je suis de fait, à partir de là, je me suis dit, et ça, ça a été ma grande chance, je me suis dit, mais j'ai la chance extraordinaire d'être dans un laboratoire phénoménologique à plein temps. Et donc je vais pouvoir produire des expériences philosophiques unique dans l'histoire du monde. Husserl, lui, est obligé de faire des efforts pour suspendre la thèse du monde. Moi, de toute façon, elle est suspendue de fait. De fait. Voilà. Et à partir de là, je vais découvrir quelque chose. Je vais découvrir que, quand même, il reste quelque chose dans ce non-monde où je suis. Ça s'appelle les livres. Et c'est là que je vais découvrir Derrida, qui va accorder à l'écriture et aux livres une place tout à fait particulière. Voilà. Et lui, c'est lui-même un spécialiste de Husserl, hein. C'est un des traducteurs de Husserl, comme Gérard Granel. Ils étaient en classe ensemble, d'ailleurs, ils se connaissaient très bien. Et c'est comme ça que je vais me mettre à étudier Derrida. Voilà. Je vais découvrir que dans mon laboratoire phénoménologique, il y a quelque chose qui est irréductible, c'est le livre. Je vais théoriser le fait que s'il n'y avait pas de livre, je ne pourrais pas faire ce travail. Voilà. Votre cure entre guillemets philosophique s'achève avec la fin de votre détention en 83. Granel, c'est lui qui vous sollicite à aller rencontrer vraiment Derrida, d'aller monter à Paris, à l'ENS, pour le rencontrer. Alors ça s'est pas passé exactement comme ça. J'ai été condamné à 8 ans de réclusion criminelle, et quand on est en bonne conduite, patati patata, on a des réductions de peine, comme on dit, donc... En particulier, à partir de 4 ans et quelques mois, j'ai eu le droit à ce qu'on appelle une permission de sortie. Donc, parce qu'on prépare les détenus à retrouver la vie en leur autorisant une sortie de 3 jours. Peu de temps avant ça, Granel m'avait dit, écoute, le philosophe qui t'intéresse vraiment, c'est pas moi, c'est Derrida. Donc, tu vas lui écrire. Tu vas lui écrire de ma part en lui disant que parce que tu vas sortir de prison un de ces jours, il faudra que quelqu'un t'encadre pour que tu continues tes études, et ça sera pas moi, ça sera lui, parce que c'est sur ses travaux à lui que tu travailles le plus. Donc j'ai écrit à Derrida en étant extrêmement inquiet, parce que j'avais développé en prison tout un savoir de l'attente. Et moi, en prison, j'avais tout fait pour ne pas attendre. Ce qui peut arriver de pire à un détenu, c'est d'attendre.
d'attendre la visite d'un avocat, d'attendre la visite de sa famille, d'attendre du courrier. Donc j'avais appris à ne rien attendre d'autre que de Platon, de Kant, de Husserl et de Parce que vous avez une rigueur aussi, une gestion du temps très rythmée entre l'étude. Oui, j'avais étudié en fait mon rapport au temps et j'avais construit toute une discipline très 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 stricte d'ailleurs, que j'impliquais, que je pratique toujours ici. Voilà. Et donc, quand Granel m'a dit « tu vas écrire à Derrida », je me suis dit « nom d'un chien, maintenant je vais attendre la réponse, il me répondra pas, il va me foutre la vie en l'air ». Bon, je lui ai écrit, 3 jours après, j'avais la réponse. Il a répondu sur le champ. Écrire pour dire quoi? Pour demander quoi? Ben, je lui ai expliqué que je travaillais depuis 4 ans à ce moment-là, que j'avais un projet philosophique, que j'envisageais de faire une maîtrise. À l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 1, ça s'appelait la maîtrise, que j'étais en train de finir une licence de philo, et je lui demandais s'il voulait bien devenir mon maître, enfin mon directeur de maîtrise. Et donc je lui expliquais mon projet, donc je lui avais envoyé une lettre, je sais pas, d'une dizaine de pages, assez précise. Voilà. Et il m'a répondu immédiatement, et il m'a dit « dès que vous sortez, vous venez me voir ». Voilà. Et donc, 2-3 mois après, l'administration m'a informé que j'avais une autorisation de sortie. Et de 3 jours. Et voilà. Donc je suis sorti du centre de détention de Muret. C'est Christiane Bory qui est venue me chercher et qui m'a emmené à l'aéroport de Blagnac. De Blagnac, j'ai atterri à Orly. Et d'Orly, j'ai pris le RER et je me suis rendu rue d'Ulm. Et donc, ma première sortie de prison, je me suis retrouvé dans le bureau de Jacques Derrida, au premier étage de la rue d'Ulm. Et quand je suis rentré dans son bureau, en plus, nous avions rendez-vous, il y avait Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe. Donc je suis d'un seul coup, j'ai plongé, comme ça, dans la philosophie contemporaine. Presque. Vous voilà. Passez de la prison voilà. Au bureau de l'ENS. Voilà. Quel était le projet alors? Ben, il n'y avait pas vraiment de projet. Le projet, c'était de faire connaissance, c'était de discuter avec Derrida. Du coup, j'ai discuté avec Derrida, avec Jean-Luc et avec Philippe. Ils sont devenus des amis après. Et voilà. Et ben, ça a été assez formidable. Un an plus tard, j'étais libéré. Un peu plus qu'un an. Hein. Et entre-temps, Jacques Derrida avait créé le Collège international de philosophie. Quand j'étais libéré, il m'a demandé si j'avais pas envie de faire un séminaire. Voilà, je me suis inscrit en maîtrise, pas avec lui d'ailleurs parce qu'il n'avait pas ce qu'on appelle habilitation à diriger des recherches, donc il m'a dit inscrivez-vous avec quelqu'un d'autre, et là je suis allé voir Jean Toussaint de Santi, qui était aussi un ami de Granel et qui était un très très bon philosophe, un grand spécialiste de la phénoménologie, et donc j'ai fait ma maîtrise avec de Santi. Voilà. Mais voilà, à partir de là, j'ai cultivé une relation très 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 suivie avec Derrida, qui a duré jusqu'à sa mort en fait, avec des périodes un petit peu de creux. Il est ensuite devenu, parce qu'entre-temps il a passé son habilitation, il est devenu mon directeur de thèse. Vous passez votre thèse d'ailleurs beaucoup plus tard, en 1993. Oui, 13. Oui, 12 ou 13. Ouais, 10 ans plus tard. C'est une période intéressante, puisque c'est juste avant l'avènement du web. Oui. Et votre thèse portait sur quel sujet? Et est-ce que ça préfigurait un peu les problématiques avec l'avènement du web et la transformation des sociétés? En effet, ça les préfigurait tout à fait, puisque dans cette thèse qui a été publiée en partie, le premier volume a été publié sous le titre « La faute d'Épiméthée ». C'est vraiment ça, c'est vraiment un travail essentiellement sur Heidegger et la question du temps. Où j'essaie de montrer que bah, justement Heidegger et Husserl ont oublié les livres, voilà, que moi j'ai trouvé dans mon laboratoire, et que donc il faudrait les théoriser, et que je m'appuie beaucoup sur Derrida pour ça. Mais aussi, j'essaye aussi d'aller un petit peu au-delà du point de vue de Derrida. Et là, dans la deuxième partie, je généralise, je disais que la question du livre, c'est d'abord la question de la technique, et de la mémoire externe. Et là, je m'appuie énormément sur André Leroy-Gourhan, l'anthropologie préhistorique de Leroy-Gourhan. Et ça m'amène à faire toute une théorie, je dirais, de l'évolution de l'histoire de la mémoire, y compris des médias audiovisuels. Et avant de soutenir ma thèse, 6 ans avant, 7 ans avant même, lorsque Derrida avait cédé la place de président du Collège de philosophie à Jean-François Lyotard, Lyotard était devenu mon directeur de DEA. Je m'entendais très très bien aussi avec Lyotard. Et avec Lyotard et le ministère de la Recherche, finalement, j'avais obtenu un crédit pour faire un travail de fond
sur les enjeux de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. C'était le début du Macintosh, c'était le début de ce qu'on appelait la micro-informatique, c'est-à-dire le fait que des gens aient des ordinateurs chez eux, ce qui était très 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 nouveau à cette époque-là. Parlons pas de smartphone ou de choses comme ça, ni de web, ni même d'internet, ça n'existait pas encore. Mais par contre, moi je m'intéressais beaucoup à ça, et j'ai toujours voulu que ma pratique philosophique soit liée à des pratiques, je dirais, sociales, économiques, techniques au sens courant du terme. Et donc, moi-même, je suivais de très très près ce qui se passait en informatique. J'avais un ordinateur et... Par ailleurs, vous avez fait un stage très jeune à ce qu'on appelle aujourd'hui l'INRIA, qui n'était pas... Oui, en effet. J'avais eu une formation d'analyste programmeur en 1972, je crois. Voilà. En effet. Donc, j'avais une espèce de formation à ce qu'on appelle le calcul opérationnel et des choses comme ça. Qui m'avait un petit peu facilité la compréhension des questions d'informatique. Et en 1985, la direction de la prospective du ministère de la Recherche m'a confié une étude. Cette étude, c'était en 84. J'ai remis le résultat en 85. Et là, il y avait Derrida et Lyotard m'ont dit, on va faire un colloque autour de cette étude. Donc on a fait venir plein de gens, y compris Jean-Luc Godard, beaucoup beaucoup de gens. Et il y avait des gens du Centre Pompidou, dont le président du Centre Pompidou, et toutes sortes de personnalités. Et en fait, le président du Centre Pompidou m'a proposé de faire une exposition à partir de ce rapport. Avec Melot, qui était le bibliothécaire de la BPI. Voilà. Michel Melot, je ne trouvais plus son nom. Le président du Centre Pompidou m'a comme ça ouvert cette possibilité. J'ai fait cette exposition. Et cette exposition, donc, qui a été ouverte en 1987, 6 ans avant ma thèse, eh bien, elle soutenait que, au 21e siècle, puisque c'était la question que m'avait posée le Centre Pompidou, comment évolueront les bibliothèques au 21e siècle? Moi, j'ai répondu, j'en sais rien, mais j'aimerais bien que ça évolue comme ça. Et j'avais expliqué que des réseaux allaient se développer, que des mémoires numériques allaient se développer et que un jour tous les gens auraient des ordinateurs avec eux, etc., etc., reliés entre eux. Je savais que ça existait Internet à cette époque-là. Ça n'existait pas en Europe, mais ça existait aux États-Unis. Et en effet, dans ma thèse, la deuxième partie portait sur ces questions de l'évolution des technologies. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié ce livre qui s'appelle « La désorientation », qui a été publié en 1996, et alors là, entre-temps, le web était arrivé. Donc j'ai actualisé ma thèse dans la publication du livre avec le web. L'évolution technologique, on en parlera demain et après-demain. Merci, Bernard Stiegler, bonsoir. Bonsoir. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Lauzen avec Bernard Stiegler. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.
À voix nue. Cette semaine, Céline Lozen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, la voix néganthropique. Bonsoir Bernard Stiegler. Bonsoir. Nous arrivons à notre avant-dernier entretien. Nous avons pu revivre avec vous votre genèse, votre métamorphose psychique en prison, une dévotion à l'étude philosophique, longue, exigeante, mais qui a clairement conditionné la suite de votre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un petit exercice, une suspension du temps dans le récit que nous menons depuis lundi, pour comprendre ce qu'est la pensée stiglérienne, faire une sorte d'épistémologie stiglérienne. Vous êtes d'accord sur le fait que dans votre système de pensée, vous avez inventé nombre de termes, de néologismes que vous mobilisez pour analyser et dénoncer ce qui fait l'objet de votre thèse, par exemple la disruption, l'exosomatisation, la capacitation. Pourquoi un tel bestiaire sémantique ? Est-ce que les mots manquaient pour exprimer certaines idées innovantes ? Ah mais bien sûr. Vous savez, il y a un texte bien connu de Condillac, le philosophe du XVIIIe siècle, qui pose que une science c'est avant tout une langue. L'invention, qu'elle soit philosophique, juridique, physique, même d'ailleurs cinématographique, musicale, etc., c'est toujours inventer de nouveaux vocabulaires. Toujours. Quand je dis vocabulaire, c'est pas simplement dans le langage parlé, en musique ou en peinture, il y a aussi des sortes de vocabulaire, ou en théâtre. Donc c'est toujours ça. La production, disons, la création intellectuelle, ou artistique, juridique, et autres. Et c'est tout à fait normal. On s'imagine que parce que la philosophie doit être accessible à tous, et en effet elle doit être accessible à tous, il ne faudrait pas qu'elle utilise des langages formels, mais pas du tout. Qu'elle soit accessible à tous, c'est tout à fait vrai. Le football aussi doit être accessible à tous, mais je peux vous dire que pour arriver à dribbler sur un match de foot, il faut s'entraîner, et donc faut acquérir un vocabulaire footballistique avec les pieds. Voilà. Donc c'est pour tout comme ça. Et ça, c'était une évidence pour absolument tout le monde, jusqu'à à peu près les années 60, 70. À partir des années 70 sont apparus les discours de la communication, où il faudrait que tout soit transparent, communicable immédiatement, etc. Mais rien d'intéressant ne peut être produit comme ça. Rien du tout. Donc en effet, si vous lisez la critique de la raison pure, par exemple, je peux vous dire que c'est pourtant pas, ça date pas d'hier, ça fait quand même, c'est la fin du XVIIIe siècle, donc ça fait presque 250 ans, pas tout à fait. Eh bien, il faut l'acquérir, le vocabulaire kantien, et c'est tout à fait normal. Si vous étudiez Lobachevsky, qui est un géomètre qui a révolutionné la géométrie, c'est pareil. Et si vous allez à l'école pendant, quand même, aujourd'hui, voilà, on passe à peu près 15, voire 20 ans à l'école puis à l'université, c'est pour ça aussi. Alors pourquoi ça serait pas le cas de la philosophie? C'est le cas de tout ce qui est intéressant. L'architecture, absolument tout. Du coup, ça provoque évidemment des résistances, parce que, voilà, quand il y a des grands changements, eh bien, ça contrarie des habitudes, ça contrarie aussi des intérêts de gens qui sont installés, qui ont conquis le monde et qui n'ont pas envie de vous voir débarquer pour leur prendre un peu de place. Et donc, ça provoque aussi des réactions. Alors après, on vous sort, par exemple, on m'a dit ça une fois, d'ailleurs, sur France Culture. On m'a dit, mais c'est trop compliqué ce que vous racontez. Moi, je suis passé souvent sur France Culture. Et il y a de très très bons producteurs, il y en a d'autres qui sont moins bons. Je pourrais donner des noms très positifs, mais je vais donner un autre nom sur France Inter. C'est Frédéric Bonneau, qui produisait une émission qui s'appelait La Bande à Bonneau, qui m'a invité à chaque fois que je sortais un livre. Et à chaque fois, il faisait un truc miraculeux. Mes livres sont difficiles à lire, ça c'est tout à fait évident. D'ailleurs j'ai reçu une lettre il n'y a pas très longtemps d'une dame qui m'a vraiment engueulé en me disant « mais c'était trop difficile vos trucs ». Parce que j'avais fait une interview sur Arte, donc elle était enchantée de l'interview, elle a acheté le bouquin, elle en a bavé. Alors je lui ai pas répondu parce qu'elle a pas mis son adresse, sinon j'aurais répondu. Ben oui, c'est difficile la philosophie, c'est pas le club méditerranéen. Donc, et le boulot par exemple d'un producteur de radio, c'est de rendre
sensible, ce qui est difficile. Quand je dis sensible, ça ne veut pas dire clair et facile, c'est ni clair ni facile. Quelque chose qui est clair en philosophie, ça n'existe pas. Les philosophes ne s'intéressent qu'à des choses troubles. Et si on n'a pas envie de rencontrer le trouble, ben on ne fait pas de philosophie. Mais souvent on oppose le sensible à l'intelligible, alors. Oui, ben justement l'intelligible, c'est ce que les philosophes cherchent à conquérir. En principe pour éliminer l'ambiguïté, c'est-à-dire le trouble, mais en fait quand vous voulez rentrer dans le langage intelligible, c'est beaucoup beaucoup d'efforts. Parce que là, il faut vous soumettre à une discipline terminologique, logique, c'est-à-dire construire des phrases sur un registre spécifique, etc., etc. Donc, oui, j'ai produit beaucoup de vocabulaire, ça c'est vrai. C'est vrai que j'en ai certainement produit plus que la moyenne. J'ai une fâcheuse tendance à produire des néologismes, mais en fait, c'est parce que j'essaye de travailler de manière transdisciplinaire. Donc, je travaille avec des archéologues, des préhistoriens, des géographes, des juristes, des mathématiciens, des biologistes, des informaticiens, et je m'approprie ces vocabulaires et j'essaye de les reformer. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une immense crise du savoir. L'immense crise du savoir vient d'ailleurs d'abord du fait que ce savoir est complètement dépassé par ce que vous avez appelé tout à l'heure la disruption, c'est-à-dire l'accélération du rythme de la transformation d'abord technologique et ensuite des sociétés par la technologie, qui fait que les organismes qui sont en principe là pour faire que cette transformation soit bénéfique à la société, eh bien sont dépassés. Ils sont en fait remplacés, c'est un journaliste d'origine russe qui s'appelle Evgeny Morozov, qui l'a très très bien expliqué dans plusieurs livres. Ils sont dépassés par qui ? Par Stanford. Par l'université de Stanford, qui elle-même développe autour d'elle des start-up. Ces start-up, les plus connus s'appellent Google, etc. Au départ, c'était une start-up Google. Maintenant, c'est le plus grand groupe mondial, voilà, le plus puissant, qui, eux, ont des chercheurs extraordinairement puissants, qui font des mathématiques, de la physique, de l'informatique, de la philosophie. J'aime bien rappeler quand même que le fondateur de Google, il a une thèse de philosophie. Voilà. Et il a étudié à la fois l'informatique et la philosophie. Ces gens-là, aujourd'hui, produisent des nouvelles formes de savoir technologique, mais qui sont des formes de savoir extrêmement dangereuses, parce qu'inachevées, ce sont pas des savoirs scientifiques. Un savoir scientifique, en principe, il refuse toute opacité dans la chaîne du raisonnement. C'est-à-dire que on doit pouvoir pas à pas établir la véracité démonstrative du raisonnement physique, biologique, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas avec les algorithmes qui sont parfois des boîtes noires. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la data science, qui n'est pas du tout une science d'ailleurs, mais une technique, voilà, une technologie, fait qu'aujourd'hui, vous avez des physiciens, par exemple, qui utilisent des résultats de phénomènes, ils ne savent pas comment ils ont été engendrés, ces phénomènes, donc ils ne font plus de physique. Ils font du bricolage physique. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce qu'on cloisonne les compétences aussi. On n'est pas dans un savoir holistique, global, où on pourrait apprendre. D'une part, ils cloisonnent les compétences et les spécialisent à outrance. Et d'autre part, ils sont soumis à ce qu'on appelle les black boxes, des boîtes noires qui fait qu'on ne sait plus comment les choses fonctionnent. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux parce que, on revient à ce que disait Socrate contre les sophistes, Socrate disait aux sophistes, mais vous vous moquez du monde parce que vous prétendez développer des choses dont vous ne savez pas démontrer comment ça fonctionne. Et donc, vous ne savez pas vraiment les effets que ça produit. Ça, c'est le moment où techné et épistémé ont été séparés par les Grecs. Voilà. Et c'était une séparation qui visait à, faire une critique des limites de la technique. Voilà. Et une critique de ce qu'on appellerait dans un langage imagé l'apprenti sorcier. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une accélération de la production technologique où on ne connaît pas les conséquences des technologies qu'on développe. Moi, en ce moment, je travaille en Seine-Saint-Denis avec un centre de protection maternelle et infantile dans le quartier Pierre-Sémard de Saint-Denis sur ce que les smartphones produisent sur des tout petits enfants. Je peux vous dire que c'est absolument apocalyptique. Et que ça concerne pas simplement les quelques centaines d'enfants du quartier dans lequel je travaille, ça concerne des centaines de millions d'enfants dans le monde entier. Il y a une intoxication des enfants par les smartphones,
qui vient d'ailleurs d'abord de l'intoxication des parents par un smartphone, mais les enfants tout petits se retrouvent, des bébés d'un an, avec un smartphone entre les mains, une tablette, utilisent toutes ces choses-là. Et en fait, moi je travaille depuis très longtemps avec Marianne Wolf, qui est une spécialiste de ces questions aux États-Unis, elle est à Stanford, et ces pratiques détruisent les circuits synaptiques des cerveaux de ces petits bébés. Et ces petits bébés, ben, un an ou deux ans après, ils sont autistes. En fait, ils ne sont pas vraiment autistes. Je travaille avec une pédopsychiatre qui est spécialisée dans ces questions. C'est avec elle qu'on a démarré ce programme. Mais ils ont tous les symptômes d'un autiste. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça touche des millions et des millions d'enfants. Eh bien, de quoi ça vient-il? Ça vient du fait qu'on a socialisé des technologies sans du tout en connaître les effets. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de recul. Le smartphone est apparu il y a 10 ans. Voilà. Et il y a des effets absolument calamiteux. Et on ne fait rien. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est de construire un nouveau modèle, vous avez employé le mot tout à l'heure, d'épistémologie, oui, c'est une sorte d'épistémologie, où, pas simplement sur les smartphones ou les antibiotiques ou les technologies contemporaines, mais la technologie en général et la technique. Je soutiens, comme le disait Socrate dans Phèdre, que c'est toujours un pharmacon, c'est-à-dire que ça a toujours un côté bénéfique, bien sûr, mais ça a aussi toujours un côté maléfique, toxique, disons, et que si on a besoin de développer des savoirs, c'est toujours pour limiter la toxicité et augmenter le bénéfice. Voilà. Pendant très longtemps, j'ai dit cela en m'appuyant surtout sur les travaux de préhistoriens et d'archéologues comme André Leroy-Gourhan et toute son école, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et puis, il y a 5 ans, j'ai découvert un biologiste américain qui s'appelle Alfred Lotka, qui a développé cette théorie de l'exosomatisation et qui montre que les êtres humains, comme les animaux, ont des organes. Mais à la différence des animaux qui n'ont que des organes endosomatiques, c'est-à-dire contrôlés par les lois de la biologie, eh bien les hommes produisent des organes exosomatiques, et ces organes, rien ne les contrôle. Et si on a besoin de lois, d'une politique, d'une économie et d'une organisation sociale pour développer des sociétés, c'est parce que ces organes sont dangereux et qu'il faut donc les contenir. Ce que nous dit l'ultralibéralisme ou le libertarianisme contemporain, qui est donc le discours que nous tiennent les théoriciens de l'innovation disruptive. Il y a une chaire à Harvard qui est entièrement consacrée à l'enseignement de ce que c'est qu'une innovation disruptive. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'a plus besoin d'institutions, on n'a plus besoin d'État, on n'a plus besoin de lois, etc. Il faut laisser la technologie se développer. Ça ne peut être que bon pour l'humanité, ce qui est évidemment absolument faux. Et j'essaye, moi, depuis très longtemps, de mobiliser la pensée européenne, et de mobiliser pas seulement les philosophes. Je travaille aujourd'hui avec beaucoup d'autres disciplines. Vous travaillez avec beaucoup d'experts différents, qu'ils soient biologistes, physiciens. Oui. D'ailleurs, on voit que vous connaissez beaucoup la physique, notamment du 19e, du 20e, des phénomènes comme l'entropie que vous avez mentionné tout à l'heure, et que vous tirez et exploitez des phénomènes sociaux comme si vous transposiez des concepts physiques pour les calquer sur des phénomènes à une autre échelle. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous affranchir d'une telle autorité? M'affranchir de quelle autorité? L'entropie, si on la considère comme la mesure, la grandeur de l'état de désordre d'un système donné, comment on peut l'appliquer pour décrire telle phénomène? Ça, c'est une immense question, qui est un débat qui a été ouvert en 1948 et qui, depuis, n'a pas cessé d'être posé. Ça s'est calmé à la fin des années 70, au début des années 80, à un moment où il y avait eu une espèce de débauche, de délire spéculatif autour du concept d'entropie, qui est un concept assez, même très difficile, hein, très très complexe. Et ça avait conduit René Thom, le grand mathématicien, à mettre les points sur les i, comme on dit, dans un article de la revue Le Débat, contre tous ceux qui spéculaient sur le transfert du concept d'entropie physique vers des modèles en biologie, en sociologie, en économie, etc. Il visait en particulier Henri Atlan, d'une part, et d'autre part, Edgar Morin. Bon. À partir de là, il y a eu un recul général, on a un peu cessé de travailler sur cette question, et moi je pense que c'est une catastrophe. Parce que, pour revenir à la physique du 19e siècle, comme vous avez dit, il se passe quelque chose d'extrêmement important au 19e siècle. Premièrement, Sadi Carnot, qui est un ingénieur et physicien français, étudie le fonctionnement de la machine à vapeur, il essaie de l'optimiser, il découvre qu'en fait, l'énergie se dissipe de façon irréversible et qu'on ne peut absolument pas lutter contre cette dissipation de l'énergie. Ça, il le théorise et il le décrit
empiriquement concernant la machine, mais le projet va être repris, enfin le thème va être repris par des chercheurs anglais, allemands, autrichiens, et en particulier Thomson, Clausius et Boltzmann, qui sont les trois fondateurs de la théorie de l'entropie. La thermodynamique. Voilà, ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Donc, Thomson, d'abord, va faire une thèse qui est que c'est l'univers entier qui est concerné, qui est un processus de refroidissement. Principe donc, entropique. Ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Ensuite, Clausius va faire la théorie formelle de ce que c'est que l'entropie, et Boltzmann va la mathématiser en la transformant en une physique statistique, en montrant que, voilà, on peut décrire l'entropie à des niveaux micro et macro de phénomènes de dissipation d'énergie. Ça, c'est la théorie physique de l'entropie qui va devenir une théorie astrophysique dans les années 1920 avec Hubble, qui va montrer qu'en fait l'univers est ce processus de refroidissement et d'expansion de l'univers qu'il va observer au télescope. C'est important de rappeler quand même que Einstein va refuser cette théorie pendant 8 ans. Et il va dénier l'observation. Il va dire, non, c'est pas possible, ça contrarie. Il croyait en un univers statique pour des raisons. Il croyait, pas simplement lui, toute la physique jusqu'alors, depuis les tout premiers physiciens antiques jusqu'à Boltzmann, enfin, disons, ou Clausius, pensait que l'univers était absolument stable. Et c'est pour ça que les Grecs, par exemple, considéraient que l'être et l'univers, c'était la même stabilité. Ils regardaient les étoiles comme des êtres mathématiques, les antiques. Pour eux, c'était les des êtres parfaits, mathématiques, et c'était le monde de l'intelligible, comme Platon le dit à plusieurs reprises. En fait, non. Et même Einstein n'avait pas la notion du fait que l'univers était un processus en expansion. Ça n'est qu'à partir d'une part Hubble et d'autre part de Whitehead, Alfred Whitehead, mathématicien, physicien et philosophe, que vraiment la processualité de l'univers va être prise en compte. J'ai soutenu dans un de mes derniers livres, celui pour lequel je me suis fait enguirlander par une lectrice qui m'a dit « mais c'est trop compliqué », c'est le livre qui s'appelle « Qu'appelle-t-on pensée ?», tome 1. J'ai essayé de montrer que si Friedrich Nietzsche est devenu Friedrich Nietzsche, c'est parce qu'il a pris en pleine figure cette découverte de la mort thermique de l'univers, qui portait une négativité du devenir, et qui pour lui c'était une catastrophe. Et je soutiens qu'il en a fait une dépression. Voilà. Et ça c'est attesté en réalité dans sa correspondance, etc. etc. Je crois, moi, que à partir de là, c'est un bouleversement épistémologique colossal qui n'est toujours pas assimilé. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui en économie, par exemple, l'économie du capitalisme industriel contemporain est toujours basée sur la physique newtonienne. Et du coup, cette économie ne peut que produire des catastrophes, parce qu'en fait, elle ne tient pas compte. Dans le sens où on est dans un cadre spatio-temporel bien défini. Quand vous dites newtonienne, c'est-à-dire? Newtonienne, ça veut dire, pour Newton, l'univers est stable. Et en plus, surtout, le temps est irréversible. Donc, il n'y a pas d'irréversible dans la physique newtonienne. Nous vivons à l'époque d'une physique de l'irréversibilité que un autre penseur, avec lequel je suis pas toujours d'accord, mais qui est très important, Ilya Prigogine, a théorisé aussi. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout cela? C'est parce que je pense que ce qu'on appelle l'ère anthropocène, eh bien, c'est l'effet de la non prise en compte de la thermodynamique qui fait que notre développement détruit la biosphère, c'est-à-dire nous, et à très courte échéance, à échéance de moins d'un siècle. Voilà. À partir de là, je soutiens qu'il faut rouvrir toute cette question, et là, ce qui est très important, c'est de préciser que la thermodynamique, c'est une des dimensions de l'entropie, mais il y a d'autres dimensions de l'entropie qui ne sont pas seulement thermodynamiques. Il y a l'entropie biologique, ça s'appelle la réduction de la biodiversité, et ça veut dire que en biologie, le premier théoricien, qui d'ailleurs n'est pas un biologiste, mais qui est un physicien de mécanique quantique, s'appelle Erwin Schrödinger. Il montre que un être vivant, c'est une réalité, une entité physique qui a une capacité d'échapper temporairement à la loi physique la plus universelle. Parce que Einstein, qui aura rejeté l'expansion de l'univers, ensuite va dire que la loi la plus universelle, c'est la loi de l'entropie. Eh bien, les êtres vivants, ils sont capables de différer cette loi de l'entropie. Oui, temporairement. Temporairement et localement. Dans un état d'organisation, voilà. Biogénèse. Et là, ça veut dire qu'il y a de l'entropie négative, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de produire de l'anti-entropie. Voilà. La négantropie, vous dites? Oui, alors on va appeler ça, après, Léon Briouin va appeler ça la négantropie. Mais troisièmement, il y a aussi l'entropie informationnelle.
Et donc, moi, aujourd'hui, je rouvre avec tout un collectif, donc, de gens qui font des maths, de la physique, de la biologie, etc., mais aussi des juristes, des économistes. On a monté tout un groupe qui, d'ailleurs, est en train d'écrire à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, pour faire une proposition de relancer des travaux dans ces domaines à une échelle globale et dans l'urgence de la nécessité de lutter contre l'anthropocène. Nous soutenons donc qu'il faut redéfinir les questions d'entropie et de négentropie. Et pour cela, il faut redéfinir la place de la technique. Pourquoi ? Parce que je reviens à ce que je disais d'Alfred Lotka, le biologiste américain qui était aussi et d'abord un mathématicien et un physicien d'ailleurs. Eh bien, Lotka a montré que l'être humain, c'est pas un être vivant comme les autres, il produit de l'entropie et de la négentropie par des artifices et pas par des organes naturels, et que ça nécessite une nouvelle théorie. Il a écrit ça en 1945, et il est mort très peu de temps après. Je pense que tout ce qu'il a écrit doit être relancé comme un programme de recherche qu'il faut développer dans la très grande urgence, et faire en sorte que, oui, en effet, les informaticiens qui utilisent la théorie de l'information dans les sites web ou sur les plateformes comme Google ou Amazon, les biologistes qui travaillent sur la toxicité environnementale, que ce soit celle des perturbateurs endocriniens ou des perturbateurs mentaux comme les smartphones, les physiciens qui travaillent sur les problèmes ou les chimistes qui travaillent par exemple sur la biochimie du climat, tous ces gens-là ont besoin de retrouver un cadre commun de dialogue, parce qu'on peut pas travailler sur ces questions séparément. Donc moi j'essaye de m'employer à redéfinir ce cadre avec d'autres, on est une centaine de personnes à travailler ensemble, mais en repartant de la technologie, parce que c'est la technologie qui impose de faire ce travail. Est-ce que vous vous sentez un peu seul, puisque vous êtes vraiment un philosophe de la technique, de la science? Pensez que peut-être la technique est ce qui a guidé l'évolution humaine, et c'est assez marginal pour un philosophe. La plupart des philosophes méprisent la technique, la science. C'est en train de changer un peu. Les nouvelles générations de philosophes, les jeunes philosophes de moins de 40 ans, commencent à vraiment beaucoup, beaucoup s'intéresser à la technique. Maintenant, ce qui est tout à fait vrai, et ça date de Platon, donc ce n'est pas récent, depuis Platon, la technique a été considérée comme un objet vulgaire, comme un objet, l'objet des sophistes. Voilà. Et pour Platon et les métaphysiciens, disons, au sens que donne à ce mot, par exemple, Heidegger, la technicité, c'était, disons, l'empiricité, c'était un objet trivial qui ne méritait pas qu'on s'y appesantisse. Ça a changé à plusieurs reprises. Il y a eu des tentatives à la Renaissance. Il y a eu Bacon. Il y a eu ensuite, plus tard, Karl Marx. Il y a eu des tentatives pour revaloriser la place de la technique. Karl Marx le premier, c'est pour ça que Marx m'intéresse toujours, bien que je ne sois plus membre du Parti communiste, et que je me considère pas comme un marxiste, mais aujourd'hui je l'ai été longtemps. Mais par contre, je crois que Marx est un philosophe fondamental, parce que c'est le premier à dire la seule manière d'étudier vraiment rationnellement l'espèce humaine, c'est de partir des objets techniques, parce que c'est ça qui caractérise l'être humain. Ça, c'est le premier à le dire vraiment. Voilà. Après, tout ça a été étayé par les archéologues. J'ai beaucoup, beaucoup étudié les archéologues, parce que les archéologues, ils partent des traces des objets techniques. Voilà. Et donc, ils ont découvert petit à petit, évidemment, surtout à travers André Leroy-Gourhan, mais pas seulement, il y en a beaucoup d'autres. Il y a toute une école en Australie, aux États-Unis aujourd'hui, qui travaille sur ces questions, en anthropologie, et c'est très important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on découvre la nécessité de revaloriser la technologie. Derrida tournait autour de ça, mais c'était pas encore très net pour moi chez lui. Derrida, il avait cette habitude de transposer des lettres, les A avec les E. Par exemple, pensée, vous avez écrit, qu'appelle-t-on pensée avec oui. un A. Oui. C'est quelque chose que vous tirez de lui, de Derrida? Oui, bah, ça, effectivement, ça se ressemble, mais en même temps, c'est quand même très différent. Derrida, justement, a écrit le mot différence avec un A. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi est-ce qu'il a mis un A au mot différence? Parce qu'il voulait montrer que la différence est un processus, c'est pas un résultat seulement. Donc mettre le A, c'est mettre en avant un caractère participatif, c'est une participation au présent, si je puis dire. La différence avec un A, c'est le processus de la différenciation et du différement. Alors moi, j'ai employé le mot penser avec un A pour des raisons bien différentes.
Effectivement, tout le monde a pensé, comme j'ai étudié avec Derrida, en plus que voilà, j'avais que c'était un atavisme derridien, mais c'est pas exactement le cas. En fait, le livre qui s'appelle Qu'appelle-t-on pensée avec un A reprend la traduction d'un livre de Heidegger qui s'appelle Was heißt denken, qui veut dire en allemand Was heißt appeler, qu'appelle-t-on pensée avec un E. Moi, j'essaie de montrer que quand on pense avec un E, on pense toujours avec un A. Sinon, c'est pas une vraie pensée. Une pensée qui ne se contente de penser avec un E et qui ne pense pas avec un A, eh bien, c'est une spéculation qui peut être gratuite. Penser, c'est toujours soigner. On pense pour soigner, pour se soigner, pour soigner les autres, pour soigner le monde. Donc, qu'on soit économiste, mathématicien, philosophe, quand on pense, on doit soigner. Voilà, c'est ça que j'essaye de montrer. Et ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on doit soigner quoi ? La technique, justement. Parce que dans tous les cas, la technique intervient. La technique ou les usages qu'on peut faire de la technique ? La technique, donc aussi les usages. Mais je dirais d'abord la technique. Voilà. Là où Derrida était important, très très important pour moi, c'est qu'il a montré que Platon tend à poser qu'il faut maîtriser l'écriture à la différence des sophistes, il faut développer une philosophie, ce qu'il appelle une dialectique, Platon, pour contrôler les effets de l'écriture. Et Derrida répond, mais Platon ne peut pas contrôler les effets de l'écriture parce que pour élaborer une dialectique, il faut écrire. Et donc, on ne peut pas contrôler ce qui est une condition de possibilité de ce qu'on fait, ne peut pas contrôler sa propre condition de possibilité, ce qui est une évidence. Quand on lit le texte de Derrida qui s'appelle « La pharmacie de Platon », ça, c'est parfaitement évident. Ce que j'essayais de montrer, moi, c'est que, du coup, il faut bien voir qu'il y a toujours une technique au fond de toute pratique humaine, l'écriture ou toutes sortes d'autres formes de techniques, et que la technique, on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas la maîtriser. Par contre, on doit la soigner, on doit se soigner, et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que chaque fois qu'on trouve une parade, je dirais, un élément toxique de la technique, une autre toxicité va apparaître. Et donc, ça veut dire qu'il faut sans arrêt laisser le chantier ouvert. Et donc, il n'y a pas de grand soir. Il n'y a pas de solution de tous les problèmes. Il n'y a pas de paradis sur terre, parce que la technique, voilà, ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Elle en pose toujours de nouveaux. On crée une nouvelle technique pour résoudre un problème, et en fait, cette nouvelle technique crée un nouveau problème. Freud parle très bien de ça dans Malaise dans la culture en 1929. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de tout cela. Donc, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de construire un cadre de coopération, j'appelle ça l'organologie générale, de coopération entre les disciplines, dans tous les domaines. Les arts, j'ai commencé à développer ça à l'IRCAM, parce qu'à une époque, j'ai dirigé l'IRCAM, donc c'était dans le domaine de la musique. Le concept d'organologie, ça vient de la musicologie, en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai étendu ce concept à toutes sortes d'autres démarches pour étudier les effets des techniques dans tous les savoirs humains, y compris dans la manière dont une mère élève son enfant. Voilà, par exemple. La technique et l'exosautomatisation, la notion pharmacone, on en parlera demain. Merci Bernard Stiegler, à demain. À demain. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Lauzen avec Bernard Stiegler. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.
Cette semaine, Céline Lozen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, prendre soin de nos désirs. Bonsoir Bernard Stiegler. Bonsoir. Nous voilà arrivés à notre dernier entretien. Jusqu'ici, nous avons discuté de vos origines, des expériences qui vous ont forgé intellectuellement, des idées que vous défendez. On a vu aussi quelle était votre méthode pour analyser les phénomènes qui vous préoccupent. Parlons à présent de là où vous en êtes. Actuellement, vous présidez l'association Ars Industrialis, vous dirigez l'Institut de Recherche et d'Innovation au Centre Georges Pompidou. Vous enseignez aussi à Londres, à l'UTC à Compiègne. Vous avez par ailleurs fondé pendant plusieurs étés une école éphémère ici au Moulin, à Épineuil-le-Fleuriel. Vous consacrez une grande partie de votre temps et de votre énergie pour les autres et pour avec les autres. Construire une société fondée sur des principes collaboratifs, du travail contributif, des savoirs et des compétences partagées. Vous avez largement développé ces principes dans vos écrits, donc beaucoup de théories, mais concrètement, que faites-vous pour mettre en œuvre ces idées avec Ars Industrialis, par exemple avec la pleine commune dont vous parliez hier? Si vous voulez, moi je crois que toute activité de la pensée doit être expérimentale d'une manière ou d'une autre. Un peintre, par exemple, qui crée des œuvres d'art, il expérimente. La création, c'est un processus d'expérimentation. Un mathématicien qui résout des équations, il travaille avec un matériau très formel, mais voilà. Je pense que l'expérimentation est absolument capitale. Et je pense aussi que le fait que la philosophie n'expérimente plus, c'est quelque chose de tout à fait récent. D'abord parce que pendant très longtemps, les philosophes étaient des physiciens, des géographes. Immanuel Kant, il était prof de géographie, pas simplement de philosophie. Ces gens fabriquaient des machines. Pascal ou Leibniz, par exemple, sont à l'origine de la machine à calculer. Ils ont fabriqué la pascaline ou la machine à calculer de Leibniz, qui est à l'origine de la théorie de l'informatique, quand même. Et jusque pratiquement à la fin du 19e siècle, les philosophes sont tous engagés dans ces processus, et ce n'est qu'au XXe siècle que la philosophie va se séparer, comme d'ailleurs toutes les disciplines vont toutes se spécialiser. Bon. Et je pense que c'est une catastrophe. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être spécialisé, il faut être spécialisé, mais il faut avoir un champ de généralisation et un territoire de travail commun avec... Moi, je ne peux pas travailler sans mathématicien, sans physicien, sans biologiste, sans chimiste, etc. C'est pas possible. Les sujets dont je parle, si j'en parle sans travailler avec ces disciplines-là, je vais vers la sophistique, inévitablement, sans le vouloir. Donc, et c'est un fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être comme à l'époque de Kant, maîtriser la physique, Kant a fait une théorie astrophysique, qui est absolument incroyable d'ailleurs. Je vous recommande de lire les textes de Kant au milieu du XVIIIe siècle, c'est hallucinant de puissance, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Ça. Dans l'état actuel de la recherche, tout est très cloisonné, très spécifique, ce qui génère un problème de communication, de compréhension entre les disciplines, oui, qui sont par ailleurs étroitement liées parfois dans un champ... Oui, mais ça, c'est pas une fatalité. On peut changer ça. Je veux pas dire qu'il faut se déspécialiser. Je veux dire par là qu'on peut créer des conditions de collaboration entre des équipes. Voilà. Et ça, c'est la question de demain. Voilà. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'elle est posée, hein, l'organisation transdisciplinaire ou interdisciplinaire, une question qu'on se pose énormément. En France, on a un mal de chien à créer cela. C'est beaucoup plus facile aux États-Unis ou en Angleterre qu'en France, par exemple. Quoi qu'il en soit, moi, je ne peux pas travailler dans des contextes comme ça monodisciplinaires. Je pense que c'est toxique, en fait, complètement. C'est asphyxiant. Moi, j'étouffe dans un truc monodisciplinaire, complètement. Ça conduit d'ailleurs toujours à ce que vous avez des spécialistes de Hegel, de Platon, de Nietzsche, etc. Mais ils sont incapables de vous parler du temps contemporain. Donc, c'est quand même un problème. Voilà. Et je pense qu'il faut expérimenter. Alors, par ailleurs, pour moi, la philosophie, ça a toujours été un terrain... je dirais, de élaboration d'une citoyenneté. La philosophie est née dans la polis grecque, c'est pas pour rien. D'ailleurs, le petit livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Passer à l'acte », se réfère énormément à Socrate. Socrate, ce qui définit sa position, c'est la citoyenneté. Il se considère pas comme un philosophe, il se considère avant tout comme un citoyen qui veut être radicalement un citoyen.
Voilà. Il dit la cité, c'est ce qui développe des savoirs. Elle a besoin de savoir pour se déployer, parce qu'elle doit prendre des décisions en permanence. Et pour moi, la philosophie qui n'est pas fondamentalement engagée dans les problèmes de la cité, y compris lorsqu'elle est devenue la biosphère avec 8 milliards d'habitants bientôt, eh bien, c'est pas de la philosophie. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai créé avec Caroline, mon épouse, Caroline Stiegler, il y a 15 ans, l'association Ars Industrialis, et avec des amis, à l'époque, que je ne vois plus beaucoup maintenant, et nous avons ensuite développé toutes sortes de choses. Nous avons créé une école, ouverte à tout le monde, qui était un cours d'introduction à Platon. Je n'enseignais que Platon, parce que si on veut étudier la philosophie, il faut d'abord connaître Platon, ça c'est fondamental. Mais nous avons aussi créé un séminaire qui est devenu une espèce de, comment dire, école doctorale. Ce sont souvent des doctorants ou des post-doctorants, non, qui sont eux plutôt des professionnels de la philosophie. Mais il n'y a pas que des philosophes, il y a aussi des gens qui font l'histoire des sciences, des mathématiques, des biologistes, etc. Et nous essayons de construire des concepts expérimentables. Et c'est comme ça que nous avons pratiqué pas mal d'expériences. J'ai toujours fait de l'expérimentation. Il se trouve qu'il y a quelques années, donc, un élu qui s'appelle Patrick Brazet, qui était le président de Pleine Commune, qui est une communauté de 9 communes en Seine-Saint-Denis, m'a proposé d'expérimenter les idées que je développais avec ce groupe Ars Industrialis, tournant autour de l'économie contributive. Qu'est-ce que c'est qu'une économie contributive? C'est une économie qui, premièrement, acte que l'emploi baisse et va continuer à baisser de plus en plus. Étant donné qu'il y aura de moins en moins d'emplois, il y aura de moins en moins de redistribution de pouvoir d'achat via l'emploi, et du coup, il y a un problème de solvabilité du marché, parce que s'il y a moins de pouvoir d'achat, il y a moins d'acheteurs, et les marchés sont saturés. Et donc, il y a un risque de surproduction. Conséquence, il faut redistribuer par d'autres voies que l'emploi, et nous pensons, nous, qu'il faut distribuer via un travail qui se fait hors emploi, et sur le modèle des intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle étant des gens qui, quand ils ne sont pas employés, ils sont pas en contrat avec un producteur, eh bien, travaillent beaucoup. Parce que s'ils ne travaillent pas pendant qu'ils sont pas employés, ils ne seront pas à nouveau employés. Ils ont besoin d'être très créatifs. Donc, et je connais très bien, j'en ai formé des intermittents, je dirigeais Inaformation. La moitié des clients d'Inaformation, c'est des intermittents du spectacle. Ensuite, j'ai dirigé l'IRCAM, mais j'employais beaucoup d'intermittents du spectacle. Et mon fils, Julien Stiegler, est un intermittent du spectacle depuis des années. C'est un monde que je connais bien. Et les intermittents du spectacle, un sociologue italien qui s'appelle Maurizio Lazzarato, avec une économiste italienne qui s'appelle Antonella Corsani, ils ont montré qu'ils travaillent plus quand ils sont pas en situation d'emploi. Parce que c'est là qu'ils inventent le plus. Voilà. Nous disons qu'il faut développer une économie qui reposerait sur ce modèle dans le bâtiment, dans la mécanique, dans l'alimentation, dans le soin. Je donne des exemples dans l'énergie qui sont très concrètement développés en ce moment en Seine-Saint-Denis. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en application, vos expérimentations? Alors d'abord, nous travaillons à développer une économie de lutte contre l'entropie. Nous disons l'enjeu de l'anthropocène, c'est l'entropie. Anthropocène, on pourrait l'écrire avec un E et sans H. Voilà. C'est une augmentation de l'entropie. Non, c'est sans A, justement. Là, c'est un E et pas de H. Aujourd'hui, ça s'écrit anthropocène avec, ça vient de anthropos avec un A et un H. Mais on pourrait dire, c'est d'abord une augmentation des taux d'entropie, l'anthropocène. Si on veut décrire ça scientifiquement, c'est la seule manière de le décrire correctement. Voilà. Des trois formes d'entropie que sont l'entropie thermodynamique, c'est-à-dire le changement climatique, par exemple, l'entropie biologique, la destruction de la biodiversité, et l'entropie informationnelle, la post-vérité et la crétinisation de masse, parce que c'est ce qu'on est malheureusement en train de vivre aujourd'hui. Alors, lutter contre ça, ça veut dire qu'il faut faire que l'économie soit vouée à produire de la négentropie, à lutter contre l'entropie. Ça veut dire qu'il faut déprolétariser les activités. Parce que l'industrialisation, ça a été une prolétarisation, et la prolétarisation, c'est la standardisation des modes de production. Marx disait en 1848, un prolétaire n'a aucun savoir. Il n'a pas besoin de savoir, il n'est là que pour servir une machine avec sa force de travail. Vous ne pouvez pas être un acteur ou un écrivain si vous n'avez pas de savoir, voilà. Mais vous ne pouvez pas être un bon médecin non plus, vous ne pouvez pas être un bon avocat, vous ne pouvez pas être un bon artisan non plus si vous n'avez pas de savoir. Et pour lutter contre l'anthropocène, il faut trouver des nouvelles façons de construire. Par exemple, construire des bâtiments beaucoup plus satisfaisants sur le plan thermique ou sur le plan de l'isolation. Il faut trouver des formes d'alimentation qui sont bien meilleures, bien plus économes,
moins carnés, etc., etc. Bref, tout ça, ça veut dire réinventer des savoir-vivre, des savoir-faire et des savoirs conceptuels au 21e siècle. C'est à ça que nous nous employons. Et donc, c'est comme ça, tout à l'heure, je vous parlais des enfants qui sont intoxiqués par les smartphones. Nous sommes en train de créer une communauté de parents qui se soignent mutuellement. Et ce soin mutuel, eh bien, nous pensons qu'il faut le développer au service d'une économie contributive du soin, où les parents pourraient être des intermittents du soin, voilà, par exemple. Ça va très loin, ça. On est en train d'avancer, c'est le projet le plus avancé, et ça donne des résultats extraordinairement intéressants. On travaille aussi en ce moment sur comment repenser complètement l'industrie du bâtiment, non pas pour remplacer les ouvriers qui ne sont en fait pas des ouvriers mais des manœuvres par des robots, mais pour faire que oui, il y a des robots, mais pour que ces manœuvres deviennent de vrais ouvriers pour produire par exemple avec de l'argile crue. L'argile crue, ça a des qualités thermiques formidables et ça nécessite beaucoup de savoir-faire. Voilà, donc on peut revaloriser énormément de métiers en développant cette économie contributive. Ça, ce sont des questions passionnantes qui m'ont amené à travailler avec des grandes banques, une banque publique et la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi la Société Générale, le Crédit du Nord, pour repenser complètement la comptabilité nationale, la comptabilité des entreprises. Et à partir de là, finalement, tous les modèles de ce qu'on appelle les indicateurs économiques, à partir d'un modèle qui n'est pas la physique de Newton, ça c'est le modèle qui existe aujourd'hui, mais qui est la physique thermodynamique et plus généralement la négantropie biologique et les questions de ce que j'appelle la négantropologie, c'est-à-dire la lutte contre les effets toxiques que l'humain produit sur la biosphère. Ce genre de discours, quand vous discutez avec vos partenaires, vous mentionnez des banques, mais vous travaillez aussi avec des gens comme Orange, Dassault Systèmes, Danone, des gros industriels. Est-ce qu'ils entendent ce message? Est-ce qu'ils comprennent? Bien sûr, c'est pour ça qu'ils nous accompagnent. Si vous voulez. Mais est-ce que c'est pas plutôt un moyen pour eux de se donner une bonne conscience en œuvrant pour le progrès social? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, bien sûr que ça peut être ça. Ça peut être ça au départ. Mais ça a été ça très souvent, que les grandes entreprises financent des choses, voilà, dans le cadre de la RSE, comme on dit, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, pour se donner un alibi, je dirais. Oui, ça existe, bien entendu, c'est encore majoritaire d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de grands industriels se posent des questions sur la solvabilité à terme et à relativement court terme, en fait, de tout le système. Et ils savent très très bien qu'il faut inventer autre chose. Et nous, nos partenaires, c'est d'abord les habitants. Moi, je travaille avec des habitants, avec des parents, avec des enfants, avec des profs, avec des médecins, avec des infirmières, avec des puéricultrices, avec des PME du bâtiment, avec des recycleries, etc., etc. Et nous travaillons aussi avec des grands groupes. Pourquoi? C'est parce que nous disons, vous avez vu peut-être le film Demain de Cyril Dion. Bon, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les territoires en transition, qui travaillent, qui développent localement des tas d'initiatives très intéressantes. Mais le problème, c'est qu'elles ne passent pas l'échelle. C'est-à-dire, dès qu'on sort de la localité, elles ne peuvent pas se déterritorialiser. Et du coup, elles ne se généralisent absolument pas. Donc, elles deviennent là, du coup, des espèces de villages gaulois qui résistent à l'entropie, mais sans être capables de changer le reste de l'économie. Nous disons que c'est toute l'économie qu'il faut changer. Mais il faut la changer progressivement. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons proposé à l'ONU, nous sommes en discussion en ce moment même avec l'ONU, pour développer ce qu'on a fait en Seine-Saint-Denis, eh bien on voudrait le faire avec des pays du monde entier, et dans toutes sortes de pays du Sud en particulier, faire ce que nous appelons des territoires laboratoires, où nous développons une démarche qui s'appelle la recherche contributive. La recherche contributive, c'est une recherche qui consiste à faire travailler des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des juristes, des économistes, avec des habitants. Et ces habitants, on les forme à faire de la recherche, véritablement. Pourquoi? Parce que il faut aller très vite. On est dans une situation d'extrême urgence. Je viens de créer, moi, une association qui s'appelle l'Association des Amis de Greta Thunberg, voilà, avec Jean-Marie Le Clézio, qui est prix Nobel de littérature, et une dizaine ou une quinzaine de scientifiques et d'artistes de très grand renom mondial. Voilà, parce que nous considérons que, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce que peut dire Greta Thunberg, mais nous considérons par contre que la mobilisation de la jeunesse qu'elle a organisée, c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut que ça devienne quelque chose de positif et non pas une simple rébellion. Et il faut qu'on ouvre un dialogue avec les jeunesses du monde entier.
en Afrique, en Inde, en Amérique latine. Je donne ces pays-là parce que j'y travaille dans ces pays-là. Et nous pensons qu'il faut créer des laboratoires pour très très vite trouver des alternatives pour développer des modèles économiques nouveaux qui soient solvables et qui ne soient pas toxiques pour la planète. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, ça s'inscrit dans une façon plus générale d'essayer de penser la place de la philosophie au milieu des autres savoirs. Je pense que la philosophie, c'est aussi ce que pensait Alfred Whitehead, qui est un philosophe que je lis de plus en plus. La philosophie a une mission synthétique. Voilà. Elle a la mission de faire en sorte que les différentes disciplines se retrouvent, non pas pour que la philosophie leur dise ce qu'elle doit faire, non, non, mais pour que la philosophie leur donne la possibilité de dialoguer et d'expérimenter ensemble. C'est ce que nous essayons de faire avec cette équipe qui est totalement transdisciplinaire. Pratiquement toutes les disciplines sont représentées dedans. Vous citez beaucoup dans vos ouvrages Joseph Schumpeter sur l'innovation destructrice. Est-ce que vous considérez avec Ars Industrialis comme un promoteur d'une restructuration à l'échelle locale, dans tous ces pays-là que vous essayez de... Schumpeter, c'est important, merci de mentionner cet auteur, qui a joué un rôle très important, parce qu'il a donc théorisé ce qu'il appelait la destruction créatrice, en essayant de montrer, c'était un peu contre Marx d'ailleurs, il essayait de montrer que le capitalisme aura toujours la capacité à rebondir, parce que il a une façon créatrice de détruire. Voilà. En fait, le premier qui avait dit ça, c'était Marx lui-même, d'ailleurs. Mais ce que montrait... Marx lui disait qu'il y avait une limite à ça, que c'était la baisse tendancielle du taux de profit. Je ne vais pas développer ça théoriquement, parce que ça serait trop long. Schumpeter a répondu pas du tout. Grâce à l'innovation, au design, etc., le capitalisme est capable de toujours redégager des marges de profit. Bon. En fait, Schumpeter a travaillé avec un économiste qui était un mathématicien, qui s'appelle Nicolas Georgescu-Regan. C'est grâce à lui que j'ai découvert, enfin grâce à ses livres, que j'ai découvert Alfred Lotka. Georgescu-Regan donc faisait des mathématiques. Schumpeter l'avait recruté comme assistant pour qu'il lui fasse des équations, en fait, d'économétrie. Et Georgescu-Regan était aussi physicien et avait dit à Schumpeter, tout ce que vous dites est très fort, très puissant, très efficace, mais ça ne pourra pas durer parce que vous ne tenez pas compte de la thermodynamique. En fait, c'est grâce à Georgescu-Regan que j'ai découvert Lotka. Et moi, je reprends le discours de Georgescu-Regan en essayant d'aller un peu plus loin, parce que je trouve qu'il ne va pas assez loin dans sa critique. En tout cas, ce que nous disons, nous, c'est que la destruction créatrice telle que l'avait conçue Schumpeter, ça ne peut plus durer. Par contre, faut repenser les capacités de créativité, de développement de nouveaux savoirs, pour faire des modèles économiques qui sont pas fondés sur la destruction, mais sur le soin. Voilà. Et on peut pas détruire indéfiniment, comme vous le savez très bien, tout le monde en parle aujourd'hui. Non seulement les ressources de pétrole sont limitées, non seulement les océans ont des capacités limitées d'absorption de carbone, etc., etc., mais il se passe en ce moment que, par exemple, toute la technologie actuelle qui se développe sur la base de métaux rares exploite des métaux qui sont en toute petite quantité. Les terres rares, comme on les appelle. Et donc, toutes les sources actuelles de développement sont en fait limitées et vont atteindre assez rapidement leurs limites. Il faut donc absolument développer une économie du soin, du recyclage, etc. Et alors, en développant des localités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais pour des raisons très précises, c'est parce que, c'est ce qu'a montré Schrödinger, la négantropie, ou l'entropie négative, c'est-à-dire la vie, ne peut se produire qu'à l'échelle locale. Voilà. On ne peut lutter contre l'entropie qu'à une échelle locale. Ça veut dire qu'il faut revaloriser la localité dans l'économie, mais par contre, il faut que cette localité soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle soit capable de se consolider à une échelle macroéconomique, c'est-à-dire au-delà de la localité. Pourquoi faire ? Pour ouvrir un commerce international soigneux. Voilà. C'est ça que nous essayons de réinventer. Et donc, ça veut dire qu'il faut réinventer complètement le marché aussi, mais ça veut dire qu'il faut réinventer les comptabilités, il faut tout réinventer. C'est passionnant, et ça intéresse énormément tous les industriels ou les banquiers lucides, ils le sont beaucoup plus que la moyenne, parce qu'ils ont à gérer au jour le jour la guerre économique, et que je peux vous dire que la guerre économique c'est extrêmement dur, et donc ils sont très 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 informés sur les limites, ils ne peuvent pas le dire, et c'est pas leur rôle en plus, mais par contre ils en sont très conscients. Après, nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire travailler ensemble des habitants, des associations, des institutions locales,
des acteurs économiques nationaux et internationaux pour créer une nouvelle rationalité économique avec la patience requise, ce qui est difficile parce que nous sommes en état d'urgence. Voilà. Donc c'est évidemment assez compliqué à réaliser, mais nous pensons que c'est tout à fait faisable et nous pensons que ce que nous faisons en Seine-Saint-Denis est très démonstratif. J'ai organisé à la demande du patron de Danone, qui s'appelle Emmanuel Faber, voilà, une visite, parce que il avait entendu parler de tout ça. Un jour, il m'avait invité à prendre un café. Et puis un jour, il m'a dit, j'aimerais voir ce que vous faites sur place. Donc emmenez-moi, je veux rencontrer les gens. Donc je l'ai emmené, il a passé une journée entière en Seine-Saint-Denis. Il est venu avec des gens de Sodexo et de Veolia. Et ils étaient stupéfaits de ce qu'ils ont vu. Stupéfaits. C'est pas fini du tout. On a demandé 10 ans. Non, c'est expérimental. Ça fait que 2 ans et demi qu'on a commencé. Moi, j'ai dit, il faut 10 ans pour, voilà. Bien sûr, c'est sur du temps long, mais. Donc, c'est pas fini du tout. Est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas un problème plus profond au niveau de l'individu sur le désir, vous parliez de consommation, de. Ben justement, si nous avons demandé 10 ans, parce que c'est la condition que j'ai posée au départ, j'ai dit à Patrick Wozniak, soit tu me donnes 10 ans, soit je fais rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut changer la représentation que les jeunes ont dans leur tête. Donc j'ai demandé 10 ans pour pouvoir travailler commencer avec des gamins qui aujourd'hui ont 10 ans et qui dans 10 ans auront 20 ans. Et leur faire... Vous savez, en Seine-Saint-Denis, on dit beaucoup, les jeunes, leur avenir, c'est chômage. Éventuellement, s'ils ont beaucoup de chance, ils seront peut-être bagagistes à Roissy, sauf que Roissy va automatiser tous les trucs de bagages. Chauffeur Uber, mais ils en ont déchanté, hein, les chauffeurs Uber, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils font sinon? On leur dit, trafic de drogue, proxénétisme, trafic d'armes, djihadisme. C'est ça qu'ils ont dans la tête. Alors, vous avez des présidents de la République, 2 qui sont venus, qui ont dit, mais votre avenir, c'est des footballeurs, voilà. Mais attendez, faut arrêter. Alors, les mômes de la Seine-Saint-Denis qui souffrent beaucoup, hein, beaucoup, 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 beaucoup. De discrimination, d'abandon, etc. Il faut changer leur représentation de leur avenir. Moi, je travaille en ce moment avec l'éducation nationale, le rectorat de Créteil, avec dès la 6e, avec des tout jeunes gosses, pour leur montrer qu'ils peuvent s'approprier la révolution industrielle du bâtiment et devenir les futurs acteurs de cette révolution industrielle, tout petits, avec eux, leurs profs, la FCPE, c'est-à-dire... Alors qu'on sait que tout est en train de s'automatiser, que dans le secteur du bâtiment, il y a beaucoup de choses... Oui, mais l'automatisation, on peut la renverser. On peut s'en emparer pour faire de la très haute qualité environnementale et ne pas en faire un malheur, mais au contraire, la chance de réinventer une économie de la négantropie. Et ça, on est en train d'y travailler aujourd'hui avec les mômes de 10 ans. Dans 10 ans, ils auront 20 ans et ils n'auront pas du tout la même représentation de l'avenir de la Seine-Saint-Denis que les mômes d'aujourd'hui, qui ont 20 ans aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai demandé 10 ans. Et on dit la même chose à l'ONU en ce moment. Donc les générations actuelles sont en train de se mobiliser. Voilà. Alors c'est surtout les générations, je dirais, urbaines plutôt favorisées. Hein, parce que quand on va voir qui sont les jeunes qui se mobilisent sur le climat, par exemple... On dit, c'est pas tellement les mômes de la Seine-Saint-Denis. On voudrait que ça change. Et on voudrait que ça change, non pas pour qu'ils se mobilisent pour tout casser, mais qu'ils se mobilisent pour changer l'économie. Et la changer positivement, patiemment, rationnellement. Et ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de leur apporter les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens, les meilleurs spécialistes de la comptabilité aussi. Nous travaillons avec les services de comptabilité des grandes banques. Voilà. Et je peux vous dire que ces gens-là sont extrêmement compétents et que la comptabilité, c'est un savoir très, très, très complexe. Maintenant, il faut en changer les axiomes. Voilà. Et pour le faire, il faut être patient. Il faut avoir l'humilité de discuter. Moi, je discutais avec des chefs d'agences de banque, etc., pour voir très concrètement comment une économie de ce type peut se développer dans leur périmètre, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à Aubervilliers. Et c'est très passionnant. Quand on travaille comme ça, les gens reprennent vraiment de l'espoir. Je peux vous dire, tous ces gens avec qui on bosse dans ces ateliers disent, ce qui est génial, c'est que depuis qu'on travaille avec vous, on a repris de l'espoir. Puisque c'est aussi l'exercice de la voix nue, j'aimerais savoir en quoi votre vie personnelle, vous êtes père et grand-père, vous avez, il me semble, 6 petits-enfants. Oui. Est-ce que, pour vous, 7 petits-enfants, est-ce que vous discutez aussi avec eux, comment ça peut aussi configurer votre rapport à la jeunesse et à l'avenir? Ça, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Je suis pas un très très bon grand-père. Même si de plus en plus je réfléchis à cet art d'être grand-père dont parlait Victor Hugo, que je cite d'ailleurs dans mon prochain bouquin.
Je raconte dans un de mes livres, l'avant-dernier livre, qui s'appelle Dans la disruption, qu'un jour, c'était en 1993, j'ai eu une discussion avec mes deux premiers enfants, qui maintenant sont des adultes. Barbara, aujourd'hui, a 48 ans. Julien, 45 ans. Il aura 45 ans la semaine prochaine. Ils ont donc des enfants, donc je suis grand-père. Nous avions une... à cette époque-là, ils étaient encore jeunes. Barbara avait 22 ans et Julien, 19 ans. Et ma fille, Barbara, elle était normalienne à l'époque, m'avait dit, mais quand même, pourquoi es-tu si sombre tout le temps? Alors je lui avais répondu, maintenant, toi et ton frère, vous êtes des adultes. Donc je vais vous dire ce que je pense depuis longtemps. Et donc je leur ai raconté que quand j'ai quitté la prison de Muret, j'ai été libérable, comme on dit, j'avais fait 5 ans de prison, et il se trouve qu'un de mes amis, il s'appelle Jean-Luc, en prison, j'avais pas beaucoup d'amis en prison, mais lui c'était un ami, était livrable comme moi, une semaine près. Et j'avais essayé de lui expliquer que la sortie allait être plus dure que d'entrer en prison, que ça serait plus dur de sortir, et surtout qu'il fallait savoir que le monde allait empirer énormément, que les problèmes, moi j'avais appris ça en prison, que le monde allait vers vraiment de très 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 gros problèmes. Et que ces très très gros problèmes, j'avais acquis la conviction qu'ils pouvaient conduire vraiment à une autodestruction de l'humanité. C'est ce que je crois toujours aujourd'hui. Si vous prenez toutes les projections scientifiques qui sont faites aujourd'hui, ce qu'il y a de plus probable, c'est la fin de la vie sur Terre à une échéance assez courte. Quand je dis assez courte, je ne dis pas que c'est dans les 30 ans qui viennent, mais à échelle d'un ou deux siècles. La vie, c'est ce qui produit des résultats absolument improbables par des processus qui, vu de l'intérieur du système qui les produit, ne peut se présenter que comme des miracles, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas arriver. Ce sont des bifurcations de ce type qui sont incalculables par le système qui les produit. Donc aujourd'hui, il faut que nous arrivions à produire une bifurcation incalculable. À une autre époque, on aurait appelé ça un miracle. Moi, je ne crois pas au miracle. Par contre, je crois qu'il est possible de produire de telles bifurcations. Mais il faut être capable d'avoir le courage d'admettre qu'elles sont très improbables. Donc le plus probable, c'est la destruction. Alors j'ai raconté ça à mes enfants, parce qu'ils étaient adultes, et je me suis dit, il faut pas leur raconter l'histoire. On va se quitter malheureusement sur cette note d'optimisme. Merci Bernard Stiegler de nous avoir reçus toute cette semaine chez vous. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous. De cette rencontre de Céline Lauzon avec Bernard Stiegler. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.